Access granted. Et yo les gens, comment on va? On se retrouve. Putain, je me botte, c'est disparu. Comme d'hab, c'est bref. J'ai pas mis le fond vert dedans. Normalement, ça devrait pas poser de soucis. Allez, on est en jeu. Normalement, j'ai mis en push to talk, il me faut juste que je change les touches de ma radio. Du jeu, il y a le micro, on est bon. Voilà, hop, j'ai juste changé du coup la touche pour la radio. Config des touches, file IV, oui, et pour la secondaire, je vais mettre Alt. Il n'y a rien sur Alt. Choix du personnage, oui, bah ça me va, je m'en fous du choix du personnage. Celui-là, on va le mettre sur une touche à la con, genre dollar. Voilà. Et voilà. Test. 1, 2, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bah, fréquence brouillée, c'est parce que j'ai pas de. Bah, ok, on est parti. Salut, Carpaille, face. Désolé si je le prononce mal, bah moi ça va et toi? Comment tu vas? Le son du jeu est peut-être un peu faible. Non, ça va. Bah tant mieux. J'ai encore mangé à boire. 2 milkshakes, 2 burgers. Je vais reprendre 3 burgers et 3 milkshakes. Le son nickel, parfait. Bon, aujourd'hui, allez voter. Sinon, on va se taper sur les doigts. Il me semble qu'ils sont par là, les milkshakes. Là. Hop, on va prendre 3. 3 burgers. Et merci pour le feu, du coup, Carpi. Installe-toi. 3 burgers. Ah, ils sont où? Non, je voulais les normaux. Là. Ok. Hop, on ferme le coffre. Normalement, j'en ai 3 de chaque. Ouais, c'est bon. Oui, c'est, on cligne un peu des yeux dans l'appart. Hein. Faut pas s'étonner. Magie! Ah, en fait, c'est quand on regarde vers là-bas que c'est cligne des yeux. Sortir. Hop. Faire un petit message, savoir qui est en ville, qui ne l'est pas. Il va falloir que je me réhabitue au push talk. Twitch, ça fait quasiment 2 ans que j'ai commencé. Enfin, il y a 2 ans, il y a 1 an, c'était de temps en temps un peu Dreamworld, machin. Ensuite, en janvier dernier, j'avais pas mal commencé Twitch. Du coup, je m'étais vraiment mis dedans bah, avec le RP. Mais j'ai dû faire une pause pendant 8 mois parce que déménagement, famille, j'avais plus de connexion internet, donc bah, pas trop de choix. ça marche pas sans internet, Twitch. Puis là, bah, je suis de retour depuis hier. Oui, donc. YouTube, bah, je mets juste les rediffs sur YouTube en fait. Je mets toutes les rediffs sur YouTube. Sinon, je m'en occupe pas plus que ça.
Hello gros, oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il majuscule? Je vais mettre la radio. Comment ça marche? Comme ça. Yo! Je suis français, d'Alsace. C'est pour ça que des fois on confond un peu avec les Belges parce que sur certains mots on a les mêmes prononciations. Mais je suis alsacien. Répète? Ah bah je suis à l'appart moi, si jamais. Je sais pas où vous êtes. Bon bah en attendant, hein, on va pas perdre les bonnes vieilles habitudes. Hop, c'est je vais faire le truc pas bien, donc hop. Ah t'es belge, ok. Ouais non, moi bah l'Alsace, bah, j'y suis chaque année depuis Ah, allez, 4 ans. ciao, ciao. Ah, Belgique, j'y suis Y a allé qui monte au une Blador fois. du coup là? Je suis Non, allé y a une que fois en moi qui Belgique, monte. moi j'ai C'est changé qui au l'annexe là? Luxembourg pour les clubs. C'est moi. Ok. Ah ouais, je voulais changer ma démarche. Bah, il faudra juste au bénit voir ce que quelle couleur je fais pour la voiture moi. Celle par défaut, Appel en c'est vert. quoi? Bon, Ouais, mais du coup, on est t'es d'accord con. Damien que moi je pose tout dans le coffre. Yep. Tu poses ce qui est possible et sinon je te donnerai accès. Mais Celle c'est par d'ailleurs défaut, c'est c'est elle quoi? qui récupère la après. Hop, on va éviter de faire ça. Mais de rien de mon de ma non-aide. De ta présence. Ouais voilà, j'ai juste fait acte de présence moi. Il a aidé Présence mentale. C'est ça. Non là je me Faut faire concentre attention, mentalement à celle-là. aller voter après. Ah non, Choix très non, dur à il n'y a faire. pas de soucis. On ira Faut que je voter, vois on ira quelqu'un qui voter. parle dans le chat. On ira tous ensemble, comme dire. Bah c'est un jeu très dur, je pense que je vais commencer à braquer et à te mettre un infini mètre sur la tempe et puis ça va plus être très dur. Ah t'inquiète, t'inquiète, vas-y. Hein. Ah, l'amour. Ça, quel plaisir. Les bails sombres. C'est LTC. Tu veux rire, Damien? J'ai pas tout posé chez toi. Qui veut des chocolats de Noël? J'en ai 32. Oh non, c'est bon, j'en peux plus. Oh, du coup. Comment ça a pas marché? Encore en ville là, du coup. Ouais, moi je suis à CDC. Je Il y a transvase moi l'avion et je 2. me dirige vers CDC. Là-bas, il y a Jack qui me récupère. Donc, ok, bah vas-y, je vais à CDC. Yo. Yo. Moi je transvase les 1600 viandes. Ouais, si tu peux juste arrêter le niveau de Ginette que je prends des coups. Merci. Beaucoup de live par semaine, j'essaie d'en faire quasiment tous les jours. What is wrong with you? Ouais, non, on va éviter de braquer Ginette. T'aurais pu aller chez ACDC, hein, je pouvais marcher. Je vais laver la voiture. Ah, ok. On va.
j'essaye de live quasiment tous les jours. Après, c'est les heures, y'a rien de fixe. Tu veux venir? Non, non, non. Je vais y aller après. Ouais, d'ailleurs, pour une bénise, au pire, là, ce qu'on peut faire, c'est se retrouver toucher Damien. Et Owen? Non, pas encore. Je vais parler vite fait à Liliane. Ouais, bah, on va en parler là, je pense qu'on sera un peu tous ensemble. Tu t'es trompé de couleur, Lucas, c'est noir le costume. Ouais, bah oui, faut aller voter, ça. Ça, j'y pensais, t'inquiète. Pardon? Non. Ça a failli très mal finir. Ouais. Il est resté stoïque, le mec. Ouais, rien à battre. Hein. C'est une danseuse avec ce... C'est une danseuse avec ce bagnole. Non. C'est un kiff. C'est une danseuse étoile. Putain. Qu'est-ce que ça du coup? Moi, faut que je retourne chez Damien pour poser ses cheveux là. Bah. Ils t'ont fait qu'une voiture. Ouais, j'avoue. Non, mais pas aussi. Comme ça, je vais profiter de sa baraque. Mais venez, on va boire un verre là-bas, non? Yes. Ouais, bah généralement, moi, c'est d'après, mais puis beaucoup en soirée, genre 21h, minuit, 2h, quoi. Mais ouais, sinon, c'est milieu, fin d'après, mais. Et le soir, quoi. Oui, pour le moment, je suis au chômage. Comment je... les danseuses, ça vole aussi? Bah oui. Ah ok. Évite de faire une pointe. J'ai fait un don du sang. Fallait faire un don du sang. Ouais. Je suis à la bonne. Vous êtes allé voter? Non. Bah non, bah on va y aller. Je suis en pleine réflexion du vote là, donc attends. Ouais, comme moi quoi. Yeah. Non, j'avais lancé. Attends, tu vas voter Williams Owen? Bah, je sais pas. Je me tape contre Williams. J'avais lancé l'idée d'aller boire un verre chez Damien, mais bon. Comme ça, on va tous voter bourré. On va se tromper ou on va voter Green? On boira mercredi soir, pardon. C'est vrai. Bah, du coup, moi je retourne chez Damien là pour poser ses chocolats. Du coup, on va aller à l'SMS. Ouais. T'as posé la viande. Ah, c'est des CDC, genre. Ouais, j'ai tout posé. Tu sais, il reste combien de kilos ou pas en place? Ouais, pas de soucis, Carpi. Ouais, je sais pas, je crois qu'on était déjà à 700-800 kilos. Tiens, j'allais voir, hein. J'allais voir. Parce que j'en ai jamais après, moi. Non, franchement, je crois qu'on était large. Ok, ok. Ouais, je vais pouvoir faire mon don du sang aujourd'hui. Parce que hier, c'est moi qui j'ai eu le rhume, j'ai pas pu le faire. C'est ça que je veux l'acheter, lâche la gueule. Ah bah c'est celle que Owen il a acheté. Owen? Non, c'est pas Owen. C'est non, c'est Lucas. Acheté hier. Ah oui, Lucas. L'hôpital, il y a Damien qui m'a contaminé. Ok. Non, on a chopé la grippe en même temps. Hey yo. Hey yo. Oh là là, petit costard tout rouge et tout. Espèce de grain criminel. Garde de lettres. C'est mon petit hommage à Curtis. Lâche la gun avec le costume rouge. D'ailleurs. J'ai plus qu'à faire comme il avait lui en couleur et c'est bon. Et avec quelle couleur du coup? Elle était grise avec les jantes rouges sang ou un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, je vais voir comment ça rend. Faut que je vois, il faut que je revoie. Mais... Bon, mon appel est pris, mais bon, est-ce que quand c'est. Quand... Je sais pas si quand il y a un docteur, mais. Bah alors, on est pas bien?
va y arriver. Toi aussi tu pensais qu'ils allaient venir vers nous? Pour vous contaminer? Ouais. Ah j'étais prêt à courir moi. Ah t'as qu'à, j'ai eu le moment de... Parce que Wayne il est incapable donc... Bah oui. Bah il est généreux, il partage. À fond. Eh vous parlez fort hein. Ouais, c'est bon, je t'ai entendu gueuler moi. Ouais, la même. Liam, tu peux rentrer, vas-y. T'es gâté, bro. Alors, par contre, Owen, c'est pas très malin ça. De quoi? Tu t'es pas fait genre soigner et recontaminer par-dessus? Ah non, non. Ah d'accord, c'est juste moi alors. Yo. Hey, yo. Mais que ça, toi? Un problème. Qui? Toi? Oui, oui, je fais internet. Oui? Ah, je sais... Non, mais t'inquiète, bientôt. Tiens, quick. Ces deux jours. Bientôt, quick. Ouais. Mm-hmm. Bah, du coup, hein, le don du sang pour nous, c'est mort. Allez. Okay. Pêche. Pour un don du sang, si j'ai bien entendu au loin. Ouais. Et ouais, qui c'est qui sang. Veut se faire piquer le premier? Bonjour, Liam. Allez, vas-y, bah, Liam, fais-toi piquer en premier. C'est un câlin. C'est mignon. Et du coup, je vous le dis, vous aurez tous le sida s'il se fait piquer en premier. Hein. Non, j'arrête. Oh non. Vas-y, regarde dessus. Allez, c'est parti. Du coup, Lucas aussi. De quoi? Sida plus sida, t'es quel quoi? Ah, du coup, si tu rechopes le sida alors que tu l'as déjà. Bah, tu l'as plus. Thank you. Bah, ça fait un super sida. Vas-y. Mais quoi? T'as pas entendu quand il fait. Allez. Non. Non. Oh, je suis perdu là. Ouais, t'as fait un AVC là, non? Ouais, il est ailleurs. Mais en fait, je comprends rien de ce que vous me dites là. Waouh. Je... Mais ça. Mais... T'as pas, non? Waouh. Je... Tu sais que mon rêve il va se réaliser, Wen. Ah non, ça va pas recommencer ces histoires. Ah, c'est j'ai mal pour toi là. Oh! Il est mal alors lui! Oh, aïe! Ah, oh, je suis calé, je bouge plus là, je suis sur les côtés, c'est bon. Gros. Oh! Quel rêve! À la table! À table! On se casse table. Holy shit! Ah, je suis bien là! Pendant que t'es gaffe, tu dis. Ouais! Qu'est-ce alors, que. La chose que moi hein. Ah, ok. Ah oui! Fais gaffe, t'es UTRL. De quoi? Il est UCRL. Il est UCRL. Hein? Bah. On parle de qui? D'Alexandre, là, il. Là, littéralement, il y a une grosse flaque de sang, quoi. Ah bah, moi je vois la même chose. Ouais, oh, moi je vois rien aussi. Bah, on voit tout ça. Hein. Wow. Hop, voilà, c'est qui le suivant? Allez, c'est moi! Ah bah vas-y! Allez, c'est parti! Yeah! Qu'est-ce qu'on fait là? Putain, je dois remonter là. T'as la ferme? Eh bah, viens, on y va! Yep! Moi, bon, à tout à l'heure, on fait un aller-retour. Yes! Alors, faut qu'il m'explique, Lucas, il va pour faire le don du sang, mais il s'arrête à la boutique. Prends des bons. Moi je vais faire un docteur lobby, je vois. Ok. Yes. Oui, il y a un souci. Bah écoute, t'as pu parler à ton petit copain Farsetti là? Ah bah non, bah vu que je suis parti en même temps que toi hier et que je suis revenu là seulement il y a 10 minutes. Yes. On l'a pas vu. Putain, je cligne fort des yeux avec le nouvel hosto moi. Quoi? Ah bah il y a des murs qui disparaissent, qui réapparaissent, c'est... Oh c'est normal, t'inquiète.
c'est qu'à tes bros. Mon SSD il est un peu fatigué, c'est pour ça. Comme mon casque, putain. Je crois qu'elle est en train de le vider complet là. Ah, c'est du bon sang, c'est du bon sang. C'est de la bonne. Eh, mais du coup, c'est plus Noël, tu peux enlever tes cheveux toi. Bon, je vais faire ta couleur. Allez, j'arrive. Allez, j'enlève mes bûches. C'est parti. Bah, attends, mais par contre, attends. Ah, ils abusent la... Vous êtes où Du coup, les petites questions habituelles, est-ce que vous avez consommé de l'alcool ou d'un drogue ces dernières 24 heures? Non. Rapport sexuel non protégé cette dernière semaine? Non. Traitement médicament en cours? Non. Vous êtes tombé malade ces 4 dernières heures, j'imagine que... Non. Et bien pu bien manger? Je vais quand même reboire un coup. C'est pas possible. C'était du lait? Non, milkshake. Enfin ouais, il y a du lait dedans, quoi. Ouais, parce que le lait, faut éviter. Ok. Et, apparemment, il y a des soucis avec, donc... Bah, du coup, bah. Hop, vous pouvez repasser dans 4 heures, ça devrait aller. Ok. Pas 3-4 heures, voire 2, ça suffit. Et sinon, depuis la MST? Pas mal de changements. Ouais, bah j'ai vu ça, en 8 mois, il y a tout qu'à changer dans cette ville. Ouais, bah je m'étais marié avec Michael, je sais pas si tu l'as connu. Ouais, bah si, je l'ai connu, je suis parti en même temps que lui quasiment. Ouais, bah il est parti, on a divorcé, là je me remarie et puis ouais, les SMS depuis 3 mois. Bah voilà. Ou alors c'est gris bleuté. Bah ça va, ça voilà. Se passe bien pour toi. La crache bleue. Oui, 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 bah et puis tu as un enfant aussi entre temps. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ah ça, il redit cool. Ouais, ouais, petit Nolan. Donc, au mois de septembre. Bah tant mieux. Ouais. Mec, il bah, félicitations. Il revient. Merci. La maman de la MST qui est maman pour du vrai. Ouais, c'est ça. Mais ouais, la MST, ouais, là. Poste de... Bah, j'avais revendu mes parts. Après, j'ai fini... Alors après, on a eu une longue période de vacances avec Michael. Après, je suis passé... Et après, je suis repassé responsable parce que... Ouais, bah j'avais un peu suivi sur l'intranet avant qu'on vienne. Ouais. Voilà. Bah ok. Ouais, ça fait très longtemps, ça fait plaisir. Ouais, bah je suis revenu hier. Tu dois être vachement content aussi. Oui. C'était long ces 8 mois à bouger de partout. Bah ouais, ouais, tu m'étonnes. Ouais, 8 mois. Liam, il est content. Je manque à Liam aussi. Bah moi la perso, ça fait 4 semaines que je suis en vacances là. Bon, je reviens un petit peu, mais je devrais revenir d'ici une semaine. Pas mal de choses à faire là, j'ai un mariage à préparer et puis j'ai un autre truc à faire aussi. Bah félicitations pour le mariage du coup. Merci, merci. Hop, je vais te laisser aller piquer Jack avant qu'il tombe malade. Oui. Je suis un professionnel. Bah lui il est tombé malade en buvant un coup juste avant la prise de sang. Oh, bah cher. C'est les milkshakes à CDC, je sais pas, ils passent pas.
Qu'est-ce que t'as ? Je sais pas, tu regardes la plante, t'es mis là. Ouais, j'observe, j'observe. J'ai amoureux de la nature, je pense. Hein. ça fait du bien là que ce soit qu'il n'y ait plus de neige là. Putain, je revis. Je revis. J'ai reçu un compte rendu d'une réunion là. Pas qu'un plaisir. On, hein. Ouais, on peut se remettre à poil, il fait chaud. Ouais, non, tranquille quand même. On va éviter. Quand même, Il fait chaud quoi. Ouais, il fait chaud, il fait chaud. Ah, vas-y, viens courir en poil dehors et tu reviens quand même. Je suis sorti de la maison tout à l'heure, j'étais sur la plage. J'ai enlevé mes chaussures, tranquille. Le sable chaud sur mes pieds. Chaud, il fait 12 degrés. Ouais, voilà, tranquille quand même, moi je reste encore en costume avec une petite veste. Hein, du coup, ouais. Ouais, fermez là, c'est bon, vous êtes frileux aussi. Non, t'as des soucis dans le cerveau, c'est pas pareil. T'as annoncé une vague de chaleur, pas une vague de froid. Hein. Oui, mais vague de chaleur par rapport à du moins 5, ça, du 12 degrés, ouais, c'est chaud. T'as déjà un coup de barre. Ah, c'est jeune, toujours sur le téléphone. Bon, du coup, faut aller voter. Ouais. Ouais, on va voter, et après, j'allais... Obénise, au LSRC. Attends juste que Wen revienne pour ranger le torse. Bah vous gardez pas ? Bah non, parce que du coup on a sorti la voiture de Lucifer et on est obligé de la garder. Ah je sais pas. Je me demandais à qui elle était. Et moi j'ai un double pansement et pas vous. Un quoi ? J'ai un double pansement. À deux trous. Un double pansement ? Ouais, j'ai piqué à côté. Ah bah bravo. Bravo. Je suis sûr que c'était fait exprès. Non, pas du tout, j'ai trop occupé à discuter et j'ai pas fait attention. Aïe aïe aïe. Bon, bah je vais vous laisser, merci pour les dons du sang, et n'hésitez pas à nous appeler en cas de problème, je devrais rester encore ouais, 1h30, 2h. Ok. Yes. Pas allez. Bah, à Liam, peut-être à tout à l'heure du coup. Bonne fin d'après-midi. Merci, ouais. Vous aussi. C'est le moment où on s'en va, Lucas. Attends, je t'ai concentré. Ah, t'es long à la détente, hein. Regardez-moi, Siri. 03 pour 10. 10, c'est dans le transfert. Il faudrait qu'il vienne ranger le taureau. Ah, super. Ouais, va attendre un tout petit peu. Pourquoi ? Bah, parce que... Je me balade avec alors que je tousse dedans quoi. Ah ouais, ok. Oh, ça ronronne. Et c'est bizarre, la seule bagnole où toutes les vitres sont pétées, c'est Liam qui conduit. Sans blague. On se demande bien pourquoi. Ouais, chez bah, chez Demel, quoi, Yann. De quoi ? Ouais, t'as déjà été chez Damien ? Déposé ? Ouais, j'ai déjà été.
En vrai, elle est grave bonne, HLM. Ouais, ah, je la kiffe. En vrai, je la kiffe. Sauf qu'il a mis un aileron dégueulasse. Bah, non. Les autres sont plus hauts et plus gros, et donc j'aime pas. Moi, j'aurais pas mis d'aileron. Non, bah, franchement, tu sais que c'est exactement cette configuration-là que j'aurais mise. Hein. Après, j'ai pas encore fini esthétique, j'ai juste mis un aileron, j'ai juste mis les vitintés, la plaque. Faut que je mette les bas de caisse. Non, vitreux, tente. En vrai, vraiment, c'est juste cette configuration là que j'aurais mise. Non, j'ai changé les pare-chocs, je vais mettre. Je vais faire quoi dessus? Non, bah, pare-choc avant et arrière, je touche pas. Mais elle rompt. Moi aussi, j'en ai vu un qui était joli là. Par contre, bas de caisse, je sais plus. Bas de caisse, je vais sûrement mettre pare-choc avant et arrière. Vous en avez pour combien de temps, Damien? Le capot, je vais changer sûrement le capot aussi. J'ai envie mettre un capot. Je voudrais pas te dire, là, j'attends le fond. Ah, oui, il y a juste que toi que je mets en carbone. Je sais pas. Okay. Et du coup, en vert racing, nacrage vert lime, je crois ça. Avec. Tu peux m'emmener chez l'homme, Lucas? Les gens, je les laisse comme ça. Vous deux, vous restez là et je vais avec Lucas. Oui, chef. Okay. Ah, c'est sympa le capot qui s'ouvre quand tu essaies d'ouvrir la portière. Il va revenir, il va se la péter avec sa T20. Oh, moi je vais la péter avec ma petite danseuse étoile. En réalité, je sais pas ce qu'on va faire. Je suis refait. Je sais pas qu'on va faire, je vais peut-être aller me reposer un peu. Ok. Bah, moi j'irai avec les autres. Ils vont voter, ouais. Ah oui, ok. Votez Green. Ah, c'est tout à toi, vote ce que tu veux. Putain, on a deux dépressifs abandonnés. Ça. Ça me tue. Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu la vie normale comme ça. Ah, c'est beau. Ça m'avait manqué. Bah, ça pique moins les yeux déjà. Bah, ouais. Bah, c'était chiant la neige. Ah, je pourrais enfin me rebalader en t-shirt. Wow, peut-être pas tout de suite, hein, mais d'ici quelques semaines. Il doit que ça se réchauffe. Oui. Je vais quand même attendre fin février avant de retirer les manches, moi. Merde. C'est pas bien de fumer à la webcam. Ça montre le mauvais exemple aux enfants. Ouais, du coup, allez voter, et puis... discuter un peu avec tout le monde par rapport au fait que nous on veut aller chez Bénise. Yes. Parce que dans tous les cas on va y aller, hein. C'est juste que eux ils s'organisent. Ouais. Le changement arrive à la Pacifique. Enfin, on peut voir, comment ils comptent s'arranger avec. Avec nous entre guillemets, enfin comment ils comptent gérer ça. Ouais. Comment ils comptent gérer le fait que nous deux on soit leur garde du corps et que Liam soit aussi son garde du corps mais version officielle. Et nous, enfin, Liam en fort, quoi. Liam en contrat Gouv et nous en contrat externe. Fourgon, vous préparez-vous à l'assaut. Ok. T'es au grand qui est tout seul. Let's go. Non mais vous avez pas trouvé dans la voix de Damien, c'était genre on était en train de faire un truc vraiment sale. Négatif, je surveille ouais. On est prêt, hein, s'il faut venir. Et je suis blanc comme neige. On est casqué, on est prêt. Je dirais qu'on passe à jamais le pied à terre. Ils vont chier dessus. Contre les agents. Attends, y'a un torrent en liberté, du coup. Recule, recule. Ah oui, là, j'ai oublié ce con. Eh, on peut pas partir, nous. Va prendre le torrent. Chier. Moi, oui, oui, en fait, on peut y aller, mais voilà. Putain, par hasard, il est fermé. Mais... allez, donne les clés du taureau. Mais non, on va le ranger.
Arrêtez d'être con. Arrêtez d'être con. Pompe, ouais, il est vraiment allé, je crois. Jacques, reviens. Oh, attends, je vais chercher un truc à l'appart. Je vais chercher le rabbin à idée, quoi. Ça faisait longtemps. Ouais, je vais chercher mes armes. Ah, j'étais à l'appart et j'ai oublié de prendre à boire. Super. Ouais. Quel autiste. Bah tiens, j'ai pris moi avant de partir au pire. C'est bien. Bon, le prochain déménagement, il est pour qui? Pas pour moi. Pour toi, Lucas? Non, okay. Pas pour moi. Au vu de mon compte, pas pour moi. Bon, pareil, moi, déménage, je... C'est soit je viens ici et je prends l'appart de Sean Lewis. Non, c'était pas celui de Sean Lewis, celui qu'à vendre. Oui, mais moi je veux celui de Sean Lewis. Le 4, le combien? Le 4 bah c'est pas le 3 et pas celui d'Owen. Bah le 30 c'était le mien. Ouais, bah le 30 c'est le 3, c'est pas eux, c'est l'autre, c'est le 11 je crois, non? Le 3 c'était TJ. Ouais, mais c'est bah du coup c'est le 3ème, c'est celui qui est. Le 4ème, c'est le numéro 4 alors chez Sean Lewis. Pourquoi tu veux le 4? Ah non, pas Sean Lewis, Spencer Lewis. Parce qu'il a une sale vue, bah bon. C'est quel? J'avais une sale vue moi aussi. Ouais, je sais, mais je trouve ah, que... Ah, c'était lui qui habitait chez moi? Il habitait dans mon... Oh, fils de lâche. J'aurais dû le buter depuis longtemps, lui, en vrai. Putain. Bof. Alors déjà, je comprends pas... Ah, mais attends. Ça se trouve, son appart, il a été saisi. Vous allez où? Ah, c'est bon, viens, ils vont voir les apparts qui sont dispo ou pas, ici. Il paye pas sa taxe depuis des mois. Ouais, bah non. J'ai bien aller. Bon, je vole quelle bagnole? C'est beau de réveiller avec ça. C'est bon, laisse-moi me faire un kiff. Il y en a qu'un seul qui a confiance qui a pas fermé. Alors ça va, c'est pas une Lynx, donc la Lynx elle est moins chère que la Coquette. Alors que la Lynx elle a un look plus sportif. Ouais, mais après le look fait pas le moteur quoi. Mais je te dis, après la Coquette c'est une vieille bagnole, en plus quand tu vois l'intérieur, toi c'est vieux toi quand même. Mais genre putain, mais au plus c'est vieux, au plus ça danse. Hein. Oh là là, c'est une danseuse étoile, je te dis. C'est un bonheur. Quand elle part, t'as pas peur en fait qu'elle. Comme les Schlager, dès qu'elle part, t'es en mode. Alors que la Coquette, t'es serein. J'avoue que je l'ai pris tout à l'heure pour genre 10 minutes pour me balader. Et une danse aux étoiles. Ah, j'avoue que la Schlager, cool. Faut pas accélérer et tourner en même temps. J'étais en surtout au démarrage. Alors je te laisse imaginer sous la neige. C'est clair. Ah, faudra que je réessaye derrière la terrasse full sur la neige. Ça aussi, ça doit tenir la route à mort. Écoute, j'ai pas tapé de pointe encore depuis que.
Mais tiens, mais d'ailleurs, les suspensions, ça fait vraiment quelque chose. On est allé au parking. Ah, le parking, ouais. Ça marche. On a entendu par contre, un ou deux. Contre, c'est quoi, c'est tout le monde rentre dormir? Non, non, moi je vais l'obéir après là. On vous attend pour aller voter. Là déjà, c'est tout le monde t'attend pour que tu ranges ton taureau. Et après, on va voter. Et on bénisse. Mais après, on rentre. Je trouve ça tellement swag là, tout le monde là, avec leur bannière là. Comme ça, carré. Ah, je sors l'inspecteur si tu veux aussi, hein, je la garde sur le code en long. Hein. Je trouve ça tellement swag. Voilà, là, je la gagnais bien quand même. Oui. Ouais, une fois qu'elle sera peinte, ça sera bien. Ah, même dans cette couleur, elle est sympa. Hein. Bah après, par contre, les roues, c'est cher que ça les mette pas en chrome d'origine. Non, mais moi je vais les peindre donc ça va. Ouais, mais bon, moi je voulais les laisser d'origine en chrome, tu vois, mais il n'y a pas la couleur chrome. Ou alors faut en racheter les gens. Ça c'est dommage. Bah non, ce que je raconte. Si regarde le Taurus de Wen, c'est les gens d'origine et ils sont chromés. Et mon pare-brise, c'est en option ou pas? L'arrière ou l'avant? À l'avant. Ou peut-être les deux. Bah les deux du coup. Ouais, bah les deux du coup. C'est en option chez Liam en fait. Ouais, il y a des phares en moins. Parce que du coup, vous allez au Bénis en vrai, non? C'est pas moi qui conduisais, c'est Jacques. Ah oui. Ouais, c'est ça, mec, c'est ça de pute. Il s'est endormi d'ailleurs. Ouais, je crois. Oh, essuie-glace. Ah, je glisse. Ouais. Oh. Aïe. Damien, il n'en peut plus là. Damien, il est fatigué de nous. Genre... J'ai juste envie de rentrer chez lui et relire ce soir. Oh. Prends une photo, fais un constat. Oh putain. Oh là là. Il a changé là. Qu'est-ce que tu fais que ça? Ça étonne, c'est sa moto neige. Mais regarde comment ça monte au calme. Ouais, on voit ça. Hein. Uh-huh. On voit ça. Ouais, ouais. Et ça j'ai réussi tout à l'heure. Au calme. Ah ouais, attends, wow. regarde. C'est impressionnant. Non, mais si. On regarde. Bon, ouais, vas-y, je vais le ranger, je me saoule. Je roule. Ah, je suis mort. Ouais, ça monte au calme, ouais, il s'est planté. Ça monte au calme, il s'est planté deux fois. T'es. Putain, j'ai l'impression que celui-là il est bridé. Ah bah, déjà, il est moins beau. Aïe. Oh, je me suis niqué. Oh, tu m'as niqué là. Oh. Ouais, qui m'a marché sur le petit doigt, ça m'a niqué. On va où du coup? Première arrêt Bénis ou élection? Alors, LSMS, c'est important. LSMS, Bénis, élection. Votez Williams Green. Allez, let's go. Il y en a un qui est vexé. Il y en a un qui va y aller à pied du coup. Hein. Avec ces serrures, faut pas vouloir faire des départs rapides. Elle a quand même un style, la Lynx. Ce convoi. Le petit convoi. Ah, c'est ce que je viens de dire, le petit convoi à 1 million là. Bah non, pas 1 million. Il y a des pas cher le convoi là, donc ça va. Il y a 350 000 voire 400 000.
Même pas. Tout est custom. À T20, 150 000, Schlagen, tu mets 100 000. Moi je suis à 50 et Lynx elle a 80 je crois. Ça va être pour faire de... prendre de l'argent au guichet je pense. Ah, c'est payant les élections, moi si c'est ça je paye pas, soit je te m'avoue. Hein. Ah non, c'est pas payant mais ils veulent aller au Bénis après je crois. Non ouais bah c'est ce que j'ai parti où là? En sas. Ok. Tu vas tester quoi encore? La moto. C'est qui est au Google là? Qui est à la banque là? Et une sacrée voiture en plus, orange là? Flic. Masse-banque. Ah, Masse Bank. Ouais, je suis au niveau du bord de vote, là je viens de faire demi-tour, ce qui est une putain de voiture, je crois qu'il y a la voiture que je voulais en fait. Et je sais pas qui c'est. J'attends que vous arrivez. La Révolteur? Non, je pense pas que c'est une Révolteur, j'en dirais une supercar, mais j'ai un doute. Bah vas-y, je vous attends, vous êtes où là du coup? Garage public, on va. T'as acheté quoi? T'inquiète. Bon attends, garde le micro. Il a acheté sa moto. T'es où Jacques? À l'SMS. Ok. Tu t'es vraiment fait mal? Oui. J'avais pas vu, t'as même le petit aileron automatique à l'arrière. Ouais, au-dessus de 60 il se lève. Ouais, c'est il se lève à 60 et il se rebaisse à 40 ou un truc comme ça. Ouais, il se rebaisse à 60, je crois. À peu près. La PLS travaille. À 50 il fait ça. Et une T20 qui arrive. Bonnet, là j'ai acheté mon ancienne moto. Je sais pas ce qu'on peut mettre comme peinture là-dessus en vrai. Rien du tout. Non, Matt. Non, tu peux rien toucher en peinture. Sérieux? Ah oui, elle est full chrome, oui. C'est vrai. Elle est déjà carbone, donc tu peux pas toucher. Elle est full carbone, c'est vrai. Tu peux pas mettre de peinture.
Double don carbone RS. Ouais, ouais. Ça j'ai pas. Ah oui. J'allais dire, je vois pas trop le carbone. Oh, c'est un peu une douille de moto, non? La carbone RS, c'est de la merde. Non, elle est très bien la carbone. Elle est bien parce que, en termes de performance, elle est bien, mais sinon, tu peux pas changer de couleur, tu peux rien faire. Quoi. Ah oui, c'est pour ça que j'avais pris moi. Bon, même niveau performance, elle est pas ouf ouf. Hein. En plus, esthétique, elle est dégueulasse. Bon, du coup, je suis un vote à vendre, hein. Faut m'acheter. Hein. Ah, moi, c'est creux. Il y en a qui s'achètent des tailleurs en tocam avec le goût, hein. Putain. Ah, la petite Zentorno. Non, c'est une tailleur, t'as 227 000. Oh, t'inquiète, mais ça c'est merci Russell avec qui prend l'argent dans le goût, hein, t'inquiète. Hein. Non, je m'en fais même pas. Hein. Mais c'est quoi, je peux mettre 100 000 $ ma Flaggen en vente qu'il a pas pris des sous dans le goût, là. Même qu'il en a des sous de l'argent de base, mais. Et qui se prépare à sa défaite là? Il se met déjà en condition pour perdre ici là. Ouais, je pense. En vrai, je sais même pas avec qui il est. Il est avec moi, il y a Oma là, j'ai vu. Il y a Mathieu. Ouais. Ah, il y a son. Tu sais, il y a les deux escrocs de la ville là. Et après, par contre, attends, je vais regarder qui c'est qu'il y a de là. Attends, hop, oh, pardon. Hop, bon, là. Du coup, combien pour ma voix? Que dalle, je vais te donner un carte, t'es oublié. Allez! Oh merde! Il me dit vous avez déjà voté. Ouais, pareil. Ne te trompe pas, hein, Damien Clark, c'est le premier de toute façon. T'as quel plaisir, Gary Green. D'où tu regardes porte sur mon épaule qui je vote là? Ah, j'ai fait un putain de vote, Ryan William Brokers là. Ils m'ont donné une petite sticker et tout. Il est où, Damien? Je crois qu'il est rentré. Il va voter du coup? En plus, il était au téléphone, genre. Ah, ok. Ah, je peux pas voter toi du coup. Mais avec Owen, on a voté déjà. Ah, ok. Attends, je vais revoter. Non, je... Jacques, t'as voté toi? Non, pas encore. Eh bah, vas-y, on t'attend. On sort dehors pour quand même. J'ai trafiqué la machine. Bah, sinon, on se met là et on fait le portique. Le nom de Russell a été enlevé. D'accord. Il y a plus que Williams de Clark, j'ai trafiqué la machine. Je crois que mon pare-brise vient d'éclater. Ouais. Ah, oui, ouais. Putain, fait chier, quoi. Casse les couilles. Quoi. Allez, 500 balles. Oh, j'ai envie de lancer une grenade là sur la Téhérente là. Ça va lui faire bizarre d'un coup. C'est dégueulasse en gros. Damien, t'es là? Damien? Je crois qu'il est radio, mais je sais pas ce qu'il fait. Oui, je contrôle la police. Ah, ok. Là, en fait, là-bas, il y a Russell et Williams. On est à la base bank. Y'a tous les candidats. C'est Williams, Williams avec la Buffalo. Bon bah c'est le moment de s'éloigner, Williams. Changer de voiture, mettre le casque et revenir rafale. Là, tu couches celui avec le chapeau et celui qui est contre la. Avec le costume noir, c'est bon, t'as couché deux candidats là. Ouais. Oui, ce que j'ai pas reconnu, mais la Buffalo rouge, c'est des brokers ça. Ok, donc Buffalo Rouge Brokers. Bon à savoir ça. Les Buffalo Rouge, ouais. Donc, ils ont beaucoup de Buffalo Rouge. Après, ils en ont d'autres des véhicules perso, mais. Et en BMX aussi. Ok. Bah, donc, il n'y a plus la neige, ils ressortent les vélos là. De toute façon, tu les reconnaîtras avec leur veste. Hein. Tout le quartier Forum Drive est monopolisé par eux, donc. Ok. Après, t'as les Blaggers, t'as ceux de Mirror Park, il y a ceux au niveau du golf, il y a. Ah là là. Et après il y a les autres grands criminels comme Russell qui est là, mais il a rien lui, c'est un criminel. C'est lui. Ok. Et au gouvernement, il récupère un peu d'argent, il fait ses bails. Pas fait qui le mec en rouge? Je sais pas. Et l'autre avec ses teams. Je sais pas. Que vous faites quoi, messieurs? On est au truc de vote. On est, y a des concurrents en face de nous.
Ouais, je m'en fiche un peu, je voulais rentrer chez moi là en fait. J'ai très très mal à la tête. Mmh. Et Jacques, tu fais quoi en fait? Super, mec, il m'abandonne. Jacques, on t'a tout voté et tu touffes les couilles. Je vais pas vraiment pas bien. Bah, rentre, gros. Ouais, mais j'attends que. On me dise si Olespidi a de place pour la voiture. Ah. Bon, moi, je reste pas longtemps aussi. À 5h ou quoi, je. Moi là après ça je bouge je pense. Moi je vais faire Bénise et après je bouge aussi je pense. Ouais du alors, coup enfin, avec Jack on voulait vous demander du coup là pour les histoires Gouv là donc, du coup Liam lui il y sera en tant qu'employé ouais. Ouais. Du coup avec Jack on va voir pour aller bosser chez Bénise. Ouais. Donc oula, y a la concurrence là. Bénise on va dire c'est une succursale du Gouv quoi, c'est le Gouv qui contrôle en gros. Ouais. C'est, en gros c'est nous ça. S'il faut qu'on fasse garde du corps on sera payé pareil. Ouais ça marche. Ouais, faut que je. Si c'est Damien qui passe avec toi, il faut que je lui fasse ma présentation de. Mon CV, faut que je lui balance un truc. Passe. Oh, mais toi, t'as pas les mêmes ambitions que Alex et Jacques. Oui. Oui. J'ai pas les mêmes ambitions, c'est pour ça. Je vais juste récupérer mon bien hein, que je me suis. Qu'on s'est fait voler quand Kira est passé. Hein. Qu'on s'est fait voler, il a dit carrément. Ah bah oui, c'était à la base, c'était si quand le Chris et tout il partait, c'était va être moi et Ron qui devait récupérer l'SRC pour pas le laisser à n'importe qui. Donc ça va me faire, j'espère que Damien passe pour pouvoir avoir la chance de retenter. De toute façon, dans tous les cas, il faut pas espérer, ils sont présentés les brokers, mais ça va, ils... J'arrive. Jamais les... Aïe. Je parlais avec la MST tout à l'heure pendant le transfert, de ce qu'ils entendent. Et ils taillent même leur ancien patron hommage, genre. Et oui. Donc il est jamais là, etc. Que eux, ils sont écartés en vrai. Par contre, brokers, ils savent pas en fait. Et ça va se jouer entre les brokers et nous en fait. Mais ils sont sérieux. Ouais, non, mais sérieux. Hein. Et moi, je le pense aussi en vrai. Oui, que Oma, il va se faire rétamer, non, genre. Non, mais t'inquiète, Russell, il a tout prévu, Rod. Il s'est mis bien, Rod. Il s'est mis bien, parce que quand tu vois les voitures qu'il a et tout, ils sont mis bien. Mais lui, tu sais, s'il est plus élu. T'inquiète, je vais le mettre bien après. Bah, ouais, je me doute pas. Hein. T'inquiète pas. Ça va sortir. Il sort toutes les voitures après. Non, mais il sort des supercars toutes les deux semaines, ils vont péter un plomb tout. Tu l'as noté sur la liste aussi. Ouais, je l'ai noté, ouais. C'est la voiture la plus chère, non, c'est ça. Laquelle? La Deviant? Enfin, ouais, non, mais c'est la. Comment ça s'appelle? Non, c'est la Cyclone la plus chère. La voiture la plus chère du Conseil, c'est la Cyclone. Ouais, peu importe. 500k la Cyclone. Ouais, rajoute à ma petite liste. Il me stresse là-bas. La Cyclone, c'est la voiture la plus chère et la deuxième, c'est la Vision. Moi, ça c'est mon rêve. Voilà. La Vision, c'est mon objectif un jour. Je fais réparer la voiture à Magnus, je la ramène à l'Espidi et puis après, je vais me coucher. Ça marche à toi. Moi, je serai là à fin de soirée, genre. Ok, pas de soucis. Moi, je serai là peut-être demain et c'est même pas sûr. Je te ferai voter. Allez, votez Williams. Allez. Tiens, même les brokers ils sont là. C'est normal, c'est Williams qui est là. Et tu chuchotes ou c'est moi? Dire qu'il y a quelques jours il fliquait les SPD et maintenant il se présente la vente là. Ça m'étonne quand même, c'est bizarre quand même que je vois les deux autres candidats qu'on veut ensemble. Ah mais ils sont tous là pour gratter des gens des voix quand les gens arrivent tu vois. Ouais je pense. On est arrivé, y'a personne qui est venu vers nous hein. Et ils savent très normal. Bien qui on est. Alors franchement je sais pas qui votait les gars. Allez bouge là, 100 grammes PGP Collegram. Carrément. Ah bizarre ça tombe sur ma Damien Clark. Les écrans tactiles ils sont mal calibrés, faut cliquer sur Williams pour voter. Bah merde, ça a mis Russell. Ah merde. Ah par contre là je rigole vraiment pas. Ça a vraiment mis Russell. Ah merde. Ça fait le même truc avec le catalogue des vêtements là, magasin de vêtements et tout ça. Oui, bien sûr on ne croit pas. Et un broker sans plus. Ah merde. Alors c'est ça leur fameuse tenue là. Ouais, mais la veste c'est un peu le bas après ils s'habillent comme un peu ils veulent, mais c'est le bas, c'est surtout les... La veste avec le t-shirt rouge. Ok.
Mirror Park, tu les verras avec les chaussures blanches. Et pull blanc souvent. Blagueur, bah, avec leur pull. Et ceux de, du golf, ils sont habillés un peu classe avec un béret. Ouais, attendez, j'ai un coup de téléphone, je reviens. Ça marche. De toute façon, moi je vais décaler. Ouais, moi je les vois pour faire un peu de la voiture et un peu. Ça roule. Bon. Plus.
R.E. désolé. Ça serait trop. Pas de problème. Et quand je suis monté dans la voiture, j'ai essayé de mettre la ceinture, mais j'ai pas été assez rapide. du coup, on fait quoi là? Bénise, après, moi perso, je vais me rentrer. Ok. Je reviendrai tout à l'heure. Là, on traverse de l'autre côté de l'auto. Ah ouais. Ouais, c'est. Peut-être que je vous remette le jeu. Hein. Ouais. C'est pas encore dans mes moyens, ça. Ça peut être ça. Oui, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, bonjour. Jason, c'est toi? Bah oui. Oh ouais. No way. Bah moi, j'avais pas reconnu. Putain. Bon alors, c'est quoi toutes ces voitures? Ouais, la DRH, elle est là ou pas? Eh bonjour. Paul, il était là, je sais pas où est. Ah, non, la DRH, toi, non, je l'ai pas vu. La DRH, je l'ai pas encore vu. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah rien, je travaille. Et t'es passé une aide à la base? Non, je viens de lâcher. J'ai lâché, j'ai démissionné hier. Ah, il recrute n'importe qui au Bénis, hein. Ah là 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 là. Bon, je t'avoue que je m'emmerdais un peu à Sienna. Qu'est-ce que tu parles, toi? Il y a 3 de nous 4 qui vont y être. Oui, mais bon, qui arrive. Oui. Oh, oh, ça va faire. Et tu sais, ça va parler en ville si vraiment ça passe ce que je vais faire. Hein. Oui, mais alors toi, déjà, tu veux rien faire. C'est pas sûr que les gars ils vous recrutent, hein. Enfin... Mais si. Mais si. Si, si, elle était grave chaude, enfin, pas dans ce sens-là, mais elle était... Après, le patron, il vient de changer, hein, pour info. Hein. Non, mais c'est la DRH, elle était pas contre, en tout cas. Enfin, elle était pas... C'est qui, le patron maintenant? C'est qui? C'est Walker, toujours, non? Alors, ils sont co-patrons, parce que Walker, on le voit pas, Walker, mais c'est Potachon. Je sais qu'on a entendu hier que Walker était plus du tout... T'inquiète. Oui. Ça va. Officiellement... Bon, du coup, mon petit Jason. Ouais. J'ai une peinture à te faire faire. Je peux pas. J'ai. C'est pas une blague. Allez, bon après-midi. Voilà, j'ai pas encore eu la formation. Dans la soirée, je pourrais, mais là pour le moment, je peux pas. Alors, c'est une blague. Alors, quand ils recrutaient avant, dès les 2 minutes après, ils étaient formés. Maintenant, ils te forment. Ouais, ils savent même pas. Attends, mais il y a Paul qui était là. Attends, je vais demander où il est, parce que lui, il peut te la faire. T'es en radio, Paul? C'est qui, Paul? Le patron. L'ancien. Non, on va lui parler. Ouais, mais j'ai l'impression que même lui il est pas là, hein. Il a dû quitter entre deux, hein. T'as son numéro? Paul, tu me reçois? Oh, je pense qu'il est... Bon, après c'est pas grave, hein. Bon, de toute façon on repasse ce soir, donc ok. Non, moi ce soir je serai pas là, mais... Donc, bah tu repasseras peut-être dans la pente. Ou tard. Donc ça dépendra. Ouais. Sinon, je vous enverrai un message, Ethan, pardon, pas Ethan. Oh! Ah, et faut pas parler d'Ethan, s'il vous plaît, merci. Bah Ethan, paraît qu'il est plus là non plus, d'ailleurs. Ouais, lui, oui. Il nous a fait une rouquinerie et il s'est barré. Bon, ok. Ça me parle bien. Liam, je t'enverrai un message dès que je peux faire les peintures, si tu veux. Bah, oui. Vas-y. Voilà. Vous étiez tous les trois pour les peintures? Non, moi, non, c'était que Lucas. Ah, vous accompagnez? Ouais, ok, d'accord. Donc voilà, okay. Quoi. Il y a une peinture de recherche d'emploi et un accompagnateur. Bon, y a de tout, quoi. Et peut-être une carrosserie, peut-être un pare-brise pour la T20 parce que. Voilà. Ouais, non, flemme. T'en as marre de remplacer ton pare-brise? Ouais, flemme. Je la réparerai plus tard. Ouais, elle a plus d'argent, c'est pour ça. Mais tu fais quoi, toi, Liam, maintenant? T'es à CDC, non? Enfin, t'étais, du moins. Ouais, je suis toujours à CDC. Ouais, gratte le salaire à CDC. Il faut que j'aille poser mes thunes parce que j'en ai. Bah, tu peux m'en donner, hein. T'en auras déjà moins comme ça. Ça fait une semaine, j'ai pas posé mes thunes. Ah ouais, là c'est peut-être un peu risqué, ouais. Bon, vous avez été voté? Bah oui. Ah ouais. J'espère que t'as bien voté. Hein. Votez Brokers, hein. Toujours, hein. Le vote reste secret, messieurs. Mais le principal c'est de voter. Bah, de toute façon, tu sais déjà pour qui on a voté, hein. Bah ouais, je peux. De doute, quand même. Ouais. Ouais, t'as des forts doutes, hein. Ouais. Ouais, pas tant que ça en fait. Attends, faut être un peu débile pour savoir contre qui on va pas voter. Contre qui on va voter. Bah, après non, après, moi si. Autant je te dis que j'ai voté ça, mais autant. J'ai voté autre chose, mais bon, après voilà. Ouais, ça après, de toute façon, tu peux pas savoir. J'ai dit, moi je me suis trompé, ça a voté bien, c'est un peu là. Après, personnellement, je pense que si les personnes sont censées en ville,
Mais bon, ça j'ai le problème, je vais te dire sincèrement, c'est que tu sais très bien qu'aux élections, il y a beaucoup d'abstention. Il suffit de regarder la dernière et que ça peut profiter aux brokers. Hein. Oui, c'est ça qui me fait peur. En fait, ce qui me fait peur, c'est ça, parce qu'en vrai, les brokers, ok, bon, ils ont leur quartier, ils sont ok, bon, ils font chez personne quand tu les emmerdes pas. Mais je les voir au gouv, non. Après, en plus, il y a trois candidats, ça veut dire que les votes vont être dilués entre les trois. Et encore, il y en avait quatre à la base. Hein. Donc, ouais, d'après ce que j'ai compris, ouais. Je sais pas exactement pourquoi. Alors, soi-disant, parce qu'il aurait fait un paiement frauduleux, du coup, ça l'aurait. D'accord, mais donc c'est un casier ou une connerie. Je sais pas pourquoi, mais ça a l'air d'une couille du gouv. D'accord. De toute façon, il y a que le. Un casier ou une enquête sur lui qui peut faire. Ouais, que c'est ça qui fait qu'il peut pas être, qu'il est pas éligible, quoi. Il ne sera pas éligible. Ouais, d'accord. Et du coup, ouais, non, après, voilà, c'est vrai que les votes en 3, ben voilà, ça divise. Et après, je vois pas mal depuis hier, je vois pas mal de mecs avec des Méhari, là, les bagnoles sans permis. Mm-hmm. Ce qui veut dire qu'il y a une charrette de nouveaux arrivants. Et eux connaissent personne. Et les brokers ont absolument rien mis dans leur programme. Hein. Ils ont juste fait une affiche. Hein. Oui. Et même, ouais, et ça, si les nouveaux regardent un peu, à la limite, si les nouveaux commencent à regarder les articles de CNN un peu d'avant, je veux dire, c'est ils vont sûrement voir des zones dangereuses et par exemple des le nom de brokers. Sincèrement, tu crois franchement que les mecs qui viennent d'arriver vont se taper les archives de CNN? J'y crois pas. Il y en a qui regardent un peu pour voir un peu comment est la ville et tout. Il y en a qui le font. Pour avoir déjà une a priori, pour pas se mettre dans la galère d'entrée. Mais du coup, ça sera un avantage, la clair, quoi, super, c'est le seul à avoir sorti ça. David, déjà, il a fait un programme, c'était lui depuis le début, là, il a fait son programme depuis le moment, il a fait des trucs, donc après, ça, je sais pas, mais après, ceux qui sont là depuis longtemps en ville, tu vois ce que le gouvernement a fait ce mandat-là, il n'y a pas eu grand-chose à part pour avoir plus de sous. Ouais, mais tu sais, je vais te dire justement, je pense que c'est ça le problème, c'est-à-dire que quand tu regardes les programmes, etc., c'est toujours la même chose au final, c'est des copier-coller. Oui. Et ça peut inciter les gens à avoir la curiosité de se dire, et si les brokers y passaient pour voir ce que ça donne? Non. Non, mais c'est vrai, mais là, ils sont capables. C'est malheureux, mais c'est ça. Après, moi, ce qui me fait peur, ouais, c'est ça. Parce qu'après, franchement, au Rousseau, je pense pas qu'il a ses chances. Parce qu'ils ont pas fait un super mandat. Il y a eu beaucoup de trucs qui ont été dit sur eux. Parce que quand tu vois que, à part avoir augmenté encore l'ISF, encore plus d'argent, la fusillade, ça a été un fiasco. Je pense pas que c'est en leur faveur. Sincèrement, l'histoire de la fusillade et des citoyens qui sont montés au gouv, je pense que le comportement de Russell à ce moment-là va lui coûter cher. De quoi, les manifestations qu'il y a eu, les attaques quand il y a eu l'événement, les manifestations, le comportement qu'a eu le gouv sur tous ces trucs, il n'a pas été exemplaire. Parce que le comportement, c'est comme ça, quel rapport avec la fusillade? Moi on m'a expliqué. Gouv, en train de faire leurs revendications et tout ça, Russell il était sur son téléphone, c'est tout juste il écoutait quoi. Voilà, et lors de la fusillade qu'il y a eu entre les Crimi, si le Gouv et le SPD, si le Gouv aurait fait un effort d'aller discuter avec la protection du SPD comme était demandé, que là, ça aurait jamais parti en fusillade. Je crois qu'ils ont discuté, mais ça ne servait à rien. Ouais, mais malheureusement, c'est un des éléments qui a fait déclencher ça. J'étais sous zone, j'étais dans la fusillade. Oui, je sais. Le gouv n'ont rien fait. Ils n'ont absolument rien fait. Je te rappelle que sur 15 LSPD, il en restait 3 debout. Oui, parce que ce soir, il y a eu une grosse discussion en face du gouv, que la gouverneure, elle est arrivée, et que moi, en tant que CNN, je lui ai posé une question de journaliste en lui demandant qu'est-ce qu'elle comptait faire pour améliorer la situation. Et que sa réponse a été pourquoi il s'est passé quoi il y a 2 jours? C'est-à-dire qu'elle était même pas au courant. Oui, mais voilà, déjà voilà. Non, oui. Moi j'ai trouvé ça hallucinant quand même. Et même, il y a eu plein de trucs. Non, mais déjà, je sais que ce gouvernement ne repassera pas. Que Rossa et tout, ils passeront pas. Ils ont fait 3 choses. Après, Rossa, une republication de mandat. Oui, mais c'est bien qu'on ait du monde. Mais le problème, c'est que quand tu commences quand t'as voulu. Tu connais mieux, mais tu fais de la merde, les gens, ils vont pas vouloir te relire. Non, mais il faut pas chercher plus loin. Le premier mandat qu'ils ont republié, c'était Robin des Bois. Quand t'as vu la première republication qu'ils ont faite, enfin, republication du coup, ils se sont trompés dans les signatures. Ils ont republié avec les signatures de Wolf et de Moore. Ça prouve à quel point ils ont juste pris un papier qui était dans le fichier de l'ordinateur et l'ont juste publié chez CNN. C'est tout ce qu'ils ont fait. Non, après moi personnellement, tout le monde veut à chaque fois un peu de nouveau, des trucs, des nouveautés, donc autant changer. Donc ça se jouait soit aux brokers, soit avec
Après, personnellement, j'espère que la ville est un minimum sensée. Ils ne ils vont oui. pas s'amuser à en fait, mettre oui. des criminels au gouvernement. Sachant bah, que bon, il y en a tu veux que je te dise, ça va dépendre comment vont réagir les autres criminels. Mais... C'est tout con. Non, mais je t'explique. Il y a deux écoles. Il y a des gens qui te disent que les autres. Imaginons que, chaque quartier, ce sont des groupes. D'accord ? Il y a deux écoles. Tu as des gens qui partent du principe de dire ouais, de toute façon, c'est des groupes concurrents. Donc jamais ils voteront pour les porteurs en tant que concurrents. Surtout que oui voilà. Et est-ce que là ouais mais attends. Deuxième école. Moi je sais pas ce qu'ils foutent les mecs, ce qu'ils trament, c'est pas mon business, je m'en tape. Mais imaginons qu'ils sont pas sur les mêmes business. Ils sont pas concurrents. Par contre, ils ont tous un intérêt. Le même. C'est qu'on les emmerde pas. Donc ils peuvent être amenés à voter pour eux. Sauf que par exemple, un exemple, hein. Tu mets par exemple les brokers, c'est son gouv. Ouais. Tu sais que les fonds, ils peuvent se sortir des fonds pour s'armer et pour faire des actions sans que ce soit vraiment William, c'est Green qui fasse, mais ouais. Tu crois que tu débloques de temps en temps un peu des fonds pour ton quartier, ça peut créer des soucis. Hein. Bah, ouais, où il y a déjà un deal de passer entre tout le monde. Déjà que les brokers sont le groupe les plus. Pour avoir vu l'effectif de tous les groupes au LSPD, les brokers sont ceux. Ils sont le double voire le triple de tous les groupes. Hein. Oui, voilà, ils sont beaucoup, ils ont une grosse force de frappe s'ils veulent vraiment frapper. Ils ont l'air soudés en plus. Oui, oui, voilà, ils ont l'air soudés. Mais même le problème, c'est que tu peux pas te permettre de laisser des criminels au gouv. C'est pas normal. Tu mets une fille. Là, à tout moment, la ville, elle part en couille si. C'est... Bah, déjà, il n'y a plus de LSPD. Les gars, je suis désolé de vous couper, mais je crois que moi, je vais me rentrer. Ouais, moi aussi, de toute façon, je vais pas tarder aussi. Par contre, ça veut dire qu'aussi bien Green que Ryan n'ont pas de casier, quoi. Non, ils ont aucun. Eh non, mais bah après ils ont bien joué leur coup. Ils ont aussi les autres, ils ont dit aux autres parents de faire des trucs. Eux se mettaient en retrait pour être tranquille, pour tenter le truc. Ils ont bien joué leur coup. Tu vas voir s'il passe. Hein. Bah du coup on verra Connor, il va dégager et ils vont. Oui, bah déjà Connor, Light. Oui voilà, Connor il saute. Bah toi, Light ils vont foutre en procureur. Hein. Oui bah mais c'est sûr et certain ça. Ou un autre broker, si vous mettre un autre broker c'est trop gros. Voilà. Alors moi j'ai discuté un peu avec Williams, tu vois, on a parlé de votre du capitaine. A priori, il est le premier à dire Mr. Bean. Il estime que le capitaine fait du bon boulot. Hein. Non, mais le capitaine, je pense, au niveau de l'SPD, ça bougera pas, je pense. Ils vont pas toucher le SPD parce que en voilà, ils vont. Bah, d'après ce que j'ai compris, il y a quand même des accords entre les brokers et le LSPD, quoi. Donc, oui. Ils ont pas forcément intérêt à tout changer. Hein. Accord de quoi ? Accord entre guillemets de non-agression mutuelle, quoi. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Pourtant, on les surveille. Ouais, et aussi, ils le savent forcément. Non, mais après, voilà, j'espère là, que les gens. Voilà, j'essaye de suivre, vu que je suis de retour en RP et que depuis hier, j'essaye de suivre ce qui se passe. Ouais, moi, je vous laisse, les gars. Ouais, ciao, Liam. Tu reviens ce soir ? Ouais, moi, je reviens ce soir. C'est qui Archer, tu disais, pardon ? Glenn Archer, il est là, ça fait 2 ans qu'il est là et avant, il était médecin. Mais il est quoi actuellement ? Là, il est officier. Mais en gros, si tu veux, du coup, en fait, il a le. Pour te faire résumer, ça faisait 2-3 heures que les brokers sont tournés autour du commissariat et de la zone place Vol. Et à un moment, du coup. Ne bavez pas trop et ne divulguez pas des informations qu'on a en notre possession. Ok. Je sais pas dire. Ouais, en gros, j'ai envie de tourner autour de la place Vol. Du coup, moi, je décide de sortir. Tourner un peu, tu vois, leur montrer qu'on est là. Et puis vraiment, du coup, j'ai la très bonne idée d'aller vers leur quartier, donc aller sur Carson, voir un peu s'ils étaient à l'intérieur. Et ouais. Du coup, Archer, elle a commencé à se pisser dessus, il est en mode non, mais accélère, non, on peut pas être là, accélère. Genre, voilà quoi. Alors que c'est. Alors que Carson, ouais. On a le droit de. Oui, Carson, c'est un axe que tout le monde peut emprunter. Oui. Après, un citoyen, faut juste pas s'amuser à aller à freiner au niveau du feu de l'entrée du quartier. Mais ça voilà, gros, c'est après ça prend les prendre pour des cons. Tout le monde, ce qu'ils font quand ils patrouillent, c'est Carson. Ils font pas le attention. Nous, on patrouille à 50 km/h, tu vois. Sauf qu'à Carson, mais là, ils se mettent à 90 parce que du coup, on peut pas rester là. Sauf que moi, je m'en bats. Sur moi, je détends clairement, hein. Même si je suis cadet et l'officier, c'est celui qui me doit donner les ordres. Mais je m'en bats les steaks. Vraiment, je le dis très clairement, mais gros, genre, ils nous surveillent, il faut montrer qu'on la surveille. Enfin, genre, on est le SPD, on n'est pas une garderie. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, il faut montrer une certaine de supériorité, voilà, vous êtes. Je le dis très clairement et j'ai pas accéléré. Genre, je suis resté à mon rythme, j'ai bien surveillé, tu vois. J'ai bien regardé s'ils étaient là ou pas.
Mais le mec il s'est chié dessus alors qu'il est censé montrer l'exemple à un cadet, c'est un officier. Je sais pas, mais en gros, t'es l'Espidi, hein. Bordel. Mais je sais pas, aujourd'hui le l'Espidi, imaginons, le l'Espidi rentre dans Forum Drive, il se passe quoi? Vous faites vraiment agresser genre shooté ou... Ouais, je pense. D'accord, ok. Oui, il y aura une guerre, c'est sûr. Mais je pense, en vrai, moi j'étais dans la ville de Force Atide, justement, rentrer là-dedans, et patrouiller normal, il tire, bah tant mieux. J'ai envie de te dire, j'attends que ça qu'il tire. Pour comme ouais, ça, au moins déjà, ouais, ça va être légal, je veux dire, accord ou pas accord, c'est même accord une agression vers la police. Accord quoi. Ou pas accord, on a le droit d'y aller. C'est pas parce que eux disent, ouais, tu viens pas chez moi, que ça y est. C'est comme si ton voisin disait, ne mets pas les pieds dans mon jardin. Bah oui, c'est normal, parce que c'est son territoire, son terrain est à son nom. Ouais, mais sauf que là, nous, on a un service public. Et du coup, le territoire et le gouvernement, et du coup, il est à nous. Ouais, ouais. Donc, ils n'ont pas le droit de nous faire ça. Genre, ces zones. Parce que du coup, on a une carte spéciale à l'Espidi avec toutes les zones de patrouille et les zones de danger. C'est une zone de conflit, mais c'est pas une zone interdite. C'est pas une zone privée. Ça n'a même pas lieu d'être, en fait, ces trucs-là. De divulguer des zones privées, c'est des zones dangereuses. Ouais, ouais. Par contre, enfin, je vous laisse, messieurs, j'ai un appel. Ouais, faut que j'aille dans le nord. Bah, il faut que j'aille au blé d'or, tiens. J'ai un problème avec une remorque, a priori. Mais, ok. Bon bah peut-être coup, à tout à l'heure. Ouais, ouais, à si tout tu me tenir au courant, évidemment, t'as mon numéro. Si tu sais me tenir au courant quand le chef est là ou la DRH, on a l'air. Ouais, ok, ça marche. Ça marche. Ouais, pas de problème. Bon, à plus. À plus. À plus. Bon, du coup, on fait quoi? On va aller au concessionnaire. On va voir, voir une petite Akuma là. Akuma là. Mais attends, sujet de la tête en fait. Ça aurait été stylé là qu'il y ait un responsable. Là, parce qu'ils auraient même eu le temps de nous former vu qu'il n'y a pas grand monde. De toute façon, il n'y a pas grand chose, hein, à fond. Ouais, Speedy. Ah, j'ai envie de me faire contrôler. Je t'avoue que moi, j'ai rien vu, j'ai cligné des yeux très fort. Pour moi, on était sous la route. Ah, yes. J'attache ma ceinture pour faire ça. Une vraie danseuse étoile. Mais du coup, t'en penses quoi, toi, de faire une zélon pour la sinistre de demain? De quoi? Alors, viens. Alors. Wow, 4700, ça va? Ouais, j'aurais même pas assez pour la prendre à 4007. Hein. Attends, qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai le sultan. Ah ouais, j'arrive pas à dégager la sultan. Ça t'intéresse une sultan? Tu me l'as fait à combien? Bah attends. Alors, deux sujets. Transmission au frein. Donc au total 7000. La bagnole vaut 2000, je crois pas. $1,200 Elle vaut 1100. Et j'ai mis 7000 en haut. Là maintenant elle vaut $8,000 toi, avec transmission frein. Pour info, j'ai 4200 en tout. Bah je te la fais. En vrai, je peux te la faire à 4000. Ouais, non, je préfère me faire un petit futo en mode kéké tuning. Mais pas la suite, hein. Tu l'as pas vu là, tout bien. C'est une 2 ou une 4 portes la sultan? Bah la 4 portes. Ah ouais, bah là ça peut être intéressant par contre. Fait, alors qu'elle en vaut, alors qu'elle en vaut 8000 hein, parce que j'ai une transmission frein. Mais de toute façon déjà un truc que tu peux savoir c'est que
Les voitures de Liam et Leiban, tu peux les utiliser. Hein. Même si on n'est ouais, pas là, c'est ça. Liam il m'a expliqué, mais moi je prends les miennes. Ça m'évite de payer parce que j'ai bousillé les vôtres. Ah, il y a un braquage. Ah bah il va pas. Qui c'est? Oh, c'est Archer! Oh, attends, c'est Shepard. Je sais pas. Bonjour, pardon. Eh bonjour. Ah. Eh bonjour. Vous c'est cadet combien? Vous avez vu arriver depuis tout à l'heure. C'est cadet combien? Ah dites. 10. Ah. Enchanté. Alors par contre, faites très attention à forcer tout. Parce que si vous êtes trop bon, ils vous mettent dehors. Ouais, d'accord, tu vous dites. Bah, j'ai été mis dehors hier. Ou avant de faire chez eux. Avant-hier. Par rapport à cette. Et, bah, y'a. Bon, y'a peut-être content aussi, hein. Faites gaffe qu'ils vous marchent pas trop dessus. Hein. Parce que moi, il a. Si... Hein? C'est pas, tu chuchotes, je crois, je sais pas. Faut d'être monsieur. C'est à comment Ouais, d'accord. De quoi comment ça... Ah, je sais pas. Pendant un moment, je t'ai confondu avec Digrassi, putain. Bah, j'ai pas la même voix. Non, mais au niveau de la tenue et physiquement, je t'ai confondu pendant un moment. Bah, la tenue, il est en. Ouais, j'avoue. Ah, il avait une tenue comme ça parfois. Ouais, avec ouais. Avec une petite veste. Mais voilà, bah, un petit conseil quoi. Donc, restez sur votre et faites attention quoi. Des conseils, ne soyez pas trop bon. Si j'aime pas trop ça, apparemment. Et vous êtes qui, le monsieur à gauche là, si je ne reconnais pas. Wilson. Mais j'avais quitté la ville pendant 8 mois. Je suis revenu hier. Ah non, ça t'as MST. Oui, c'est avec moi à l'époque de Liam, d'Ethan, Connor. On était tous à la MST. Ah, c'était l'épologie, je sais pas quoi là. Enfin, c'était l'épopée de la MST. En gros, voilà, c'était le moment où la MST c'était the best entreprise. Ils sont alignés tous. Ah, j'avoue voilà. Bien ça va, ça se passe bien. Hein. Mais du coup, vous êtes arrivé quand, 10 Ah, de c'est arrivé hier. D'accord, ah, c'est de. Oui, TJ nous en a parlé. D'accord, ok. Ah, c'est lui. Ah, d'accord, c'est vous l'ancien de la MST. Ah, oui, t'es là. Ah, oui, du coup, vous avez été au recrutement flash de la MST. Vous avez un événement particulier pour être en costard? Des élections. D'accord. Ouais, bah, ah ouais, faut bien t'habiller pour les élections. Bah écoute, vu que on va virer des il faut bien que je te sorte quelque part. Du coup, bah, je travaille avec Clark. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah trop bien. Moi, je suis arrivé en ville, on n'a pas confiance en moi au costard. On n'a pas confiance en moi au LSPD, donc du coup, faut bien que je travaille ailleurs. Pour autant, c'est bien beau, hein. On me dit que ouais, votre travail est exemplaire, mais par contre, j'ai tout de merde. Après, tu sais très bien qu'on n'a pas le droit de parler de l'interne, même quand il est en ancien. Ah bon? Non. Ah bah, tant tard. C'est l'article 13, on n'a pas le droit de parler de l'interne. Ah bah, tant tard. Ouais, bah, je fais juste la prévention. Hein. Pense au code pénal, est-ce qu'on peut poursuivre pour ça? Ah bah, allez-y, faites-vous plaisir. J'ai pas rien à perdre, Oublie pas. Pensez-t-il à détruire ma carrière, j'ai pas rien à perdre. Pensez-t-il content? Et content, c'était 02. C'est lui qui était mon. C'est lui qui était mon truc, formateur. Mon référent. 02. Content. Bon. Donc, en tout cas, jolie la voiture. Ouais, c'est quoi comme modèle? Est-ce que je reconnais pas? C'est Le Cookiette. De quoi? Le Cookiette. Une coquette, putain, j'ai pas reconnu avec le. Il y a la couleur? Non, mais avec l'aileron, j'ai pas reconnu. T'es tout seul, vous êtes tout seul en sérieux? Enfin, oui, je peux pas, pas vous donner la foule, mais du coup, on aura peut-être besoin d'un officier pour une vente de véhicule. Une vente de véhicule? Bah, n'hésitez pas à aller au commissariat. Bah, là, je peux venir le faire pour vous. Hein. La vente de véhicule, je vais entraîner le cadre en même temps le faire.
Il peut pas. En tant que cadet, on n'a pas accès. Non, je sais, mais je vais lui entraîner le process. Ok, désolé. Juste ça, le process. Bon, après, je te tiens au courant par SMS. Yep. Allez, bon courage. Bon courage. Bonne journée, et peut-être à tout de suite. Bah, faites attention. Et bonne journée à vous, Mathieu. Yep. La matériel est sauve, par contre. Hop là. Oula. Ah, super. Oh, c'est un peu de la merde. Oh, c'est une danseuse étoile. J'arrive pas de le dire. C'est incroyable. Tu l'aimes bien cette expression. Hein. Ah, j'aime bien cette voiture. J'aime bien cette voiture. Et du coup, il tournait ce qu'il faisait là ? Bah oui, je faisais formation cadet. Enfin, okay. Formation supérette. Il a raté. Elle faisait plus de notes sous la neige. Il y a de la... Ah, j'ai oublié ça. Il y a un klaxon magique. J'ai oublié ça, vas-y moi. Ah, attends, je regarde l'extérieur déjà. Alors déjà, cette voiture sous... on va déjà la laver. Je vais voir si je veux bien. Ouais, si tu parles, tu vas aller chasser avec. C'est un bonheur. Hein. C'est la 4 motrices. Après, niveau coffre, elle a combien ? 80 ? Non. Pas autant, je pense. Je sais pas, attends. Je vais regarder. Ouais, non, pas autant. Parce que moi, sur l'Omni, j'ai 40. Celle-là, elle doit être à 50. En plus, les réparations, ça va te coûter que 20 dollars, je crois, ou 40. Non, je crois que c'est 20 parce que du coup, l'oracle, c'est 40. Et là, 60. Bah, tiens, vas-y, pour un point, voilà. On peut aller où pour la tester sans se faire flasher de partout? Bon, c'est pas grave, si tu fais flasher, t'as... Bah, tu prends pas les... Vu qu'elle est à mon nom pour l'instant, tu prends pas les flèches. Bah, tu ouais, les prends, mais t'as rien. C'est... Ils vont voir la plaque et ils vont nous voir arriver pour faire la vente. Ils vont dire, ah bah c'était vous. Oui. Après, tu le seras avec les nouveaux... C'est du coup, maintenant, les nouveaux radars te retirent des points au-delà de 20 km/h. Ouais, TJ il m'a dit. Et il flash que dans un sens. Dans les deux. Et le grelottement, c'est le klaxon. Faut penser à les retirer. Ouais, ça au pire. La porte là-bas on peut pas. De quoi ? La zone ici on peut pas, j'ai oublié de te dire. Ah merde. En soi en fait le la zone bah, à partir d'ici en fait. Cette rue ci c'est interdit. Okay. En gros c'est enfin, la rue c'est à gauche tu peux, c'est la frontière aussi. Sérieux lui. Après ouais bah du coup t'as Forum Drive. C'est là ouais mais on m'avait montré la petite carte CNN, mais... Après moi je sais parce que là actuellement j'ai encore la carte de l'esprit donc.
Ouais, elle va bien. Hein. Si elle accroche bien dans les virages. Ouais. La transmission est faible. Elle pointe 200 km/h. Du coup, même s'il est à tournant, on va continuer à essayer de l'améliorer. Oui. Avec le moteur, au final, le turbo. Ouais, bah, là, il reste concentré sur l'Omnis au niveau des améliorations. Ah, franchement, elle va bien. Hein. Du coup, tu me l'as fait à combien? 4000. 4000, je vais quand même vérifier si j'ai assez, mais normalement ça le fait. Il me restera 100$. Ben attends, on va aller d'abord aller au SQD, tu peux renforcer un peu ça après. Oui. Je pense que la passation d'argent, il faut la faire au niveau du LSPD. Non, c'est à nous de voir. Ça, entre nous, ça s'est rangé comme ça. Ah ouais. Ben attends, je vais quand même vérifier si j'ai assez, pas te la faire à l'envers. Ouais, non, tu me la donneras après, c'est pas grave. 3500 sur le compte et j'ai 700 sur moi. Ouais, c'est bon. Bah, Pougo LSPD. J'essaie d'y aller sans GPS pour me rappeler un peu de la ville. Ah oui, mais du coup, faut aller la mettre dans un garage public. Hop, du coup va. Ah bah attends, bah faut peut-être qu'on prenne une deuxième bagnole alors. Non, c'est bon, c'est à côté de l'SPD, c'est pas grave, t'inquiète. Bah c'est un privé à côté du LSPD. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, ok, bah je vais suivre. Je vais me calmer vu qu'on est près du Comico. On va avoir un beau petit garage bien constitué hein, si ouais. Ça continue comme ça. Ah, bâtard. Heureusement que tes réparations coûtent pas cher. Ouais, j'ai cassé un truc? Non. du tout. Après les coûts du 48 heures du concessionnaire, ça joue pas ça pour la revente. 48 heures? Ouais, bah non, j'ai racheté l'homme d'ici hier donc. Pour pouvoir vendre un véhicule d'occasion, tu dois attendre un mois. Ouais, mais que moi je puisse l'acquérir quoi, vu que j'ai acquis un véhicule non, c'est il y a moins de 48 heures. Ça c'est tout bon. Okay. Hop là, bah go. Il y a encore un chinois. Oh la vache.
hache, la coup de barre. Bon, sinon ça va, vous? Putain, enfin, j'aime ma lumière, on me voit quasi plus. Oh la vache! Putain, mais. What? Mais wow! Qu'est-ce qui lui arrive encore? Bon, bah voilà. Il m'a vendu une Sultan. La voiture kéké par excellence. C'est là que s'est passé le crime. Ah. Je coupe la cam parce que c'est pas beau. C'est pas bien. J'espère que d'ici ce soir je bosse au dépanneur. Ce serait bien. Oh, ça me va. Eh, mais ils font pas cher, hein, 7$ le soda. Hein. Ah, bah ça. Pour ça, moi je cache dans le coffre à Liam. Enfin, dans son frigo. On a fait, quand j'étais au Védor, on a fait un petit stock. Ah, bah là, dans le frigo, il y a 700 pizzas. Ouais, ouais. De mon stock de farine, de salade, il y en a eu. J'avais aussi pris des salades, voitures. Des tomates. C'est bizarre. Ah, c'est beau. Hein. Eh bonjour messieurs. Eh bonjour. Ah, vous venez pour la vente de véhicules, vous êtes là? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. On vous a répondu déjà, t'es là? Ouais, il y a Ouran qui m'a dit quelqu'un. Ouais, t'es là. Ouais, bah il va arriver. Eh bonjour messieurs. Eh bonjour, je suis en train de faire vous. De vous d'écoute. Oh, on m'a retiré mon pépé il y a 3 jours et je voulais savoir combien de temps c'était. Vous m'avez pas dit. Ouais, devait voir, vous avez un cadet d'éditeur, monsieur? Oui. Ok, boudez pas de ma rantaine. Alex Goel. Ouais, t'as marre. Te dites pour traite des monsieur Goel. Jobias. Ben oui. Toujours. Ça n'a pas changé. Ouais, mais d'ailleurs, c'est de moi qui ai fait son interrogatoire sur une affaire de fusillade à l'ennemi avec lui. Ah bah bien. C'est moi qui me chargeais de l'affaire. Enfin, c'est moi qui me chargeais de la, du dossier fusillade Omega, dans le dossier Omega, fusillade des obligations. 19. C'est quoi Tu peux me redire, s'il te plaît? Ouais, je sais pas, on a toujours. Attends. Ouais, t'es dit que c'est... Attends. T'étais cadet, t'étais en charge d'un dossier. Ils sont vraiment en sous-effectif à ce point. Bah non, mais j'étais en charge de. Enfin, j'étais en affaire. Oh, c'est vrai, on avait un dossier général sur la fusillade du 19. La grosse fusillade du 19. Et en gros, on était. On est en plein PPA, donc vous allez peut-être devoir attendre un peu. On va passer plus tard. Mais là, on est en plein PPA, donc okay. On peut pas faire tout de suite avant. On peut faire un PPA, ça pourrait te donner votre dossier. Ouais, t'es bon du coup. Ouais, c'est bon. Donc ça vous dérange pas d'attendre un peu? Ouais, pour la vente de véhicule? Ouais, on va attendre, pas de soucis. Enfin, donc en gros, il y avait un dossier, un gros dossier avec la fusillade du 19, c'est à côté du Golf. Et en gros, si tu veux, il y a cette semaine, je sais plus,
En gros, il y a eu une mini fusillade. Enfin, en gros, il y a Goël qui a tiré sur un véhicule média et j'étais chargé de cette affaire-là. Parce que du coup, pendant cette affaire de tir sur un véhicule, Goël a sorti une certaine phrase que je. Et en gros, cette phrase, j'avais en sorte de le pénaliser, de juger sur cette phrase. Ouais, en gros, il a sorti. T'avais le dossier Goël en sous-dossier du gros dossier média, quoi. Non, sous le dossier du gros dossier fusillade golf. Ok. Il y a eu pas mal de fusillades ces derniers temps du coup. Bah parce une. Gouv, golf. Bah non, une. Au Gouv, il n'y a pas une fusillade. Ah bah j'ai mal compris. Bah non, on parlait pas d'une fusillade au Gouv, on parlait de manifestation. Ah oui, j'avais cru comprendre qu'il y avait une fusillade pendant la manif, c'est pour ça. Non. Ouais, enfin, cette ville est toujours aussi paisible, quoi. Un bonheur. Ouais. Los Santos. Ah, la vache. Ça a pris? Ça a pas pris. Là, ça a pris. Ouais, PPA c'est Pierre Mille Port d'Arbre. Yes. Ah, maintenant ils font passer un truc. C'est plus tu vas à l'armurerie, tu dis ouais, je vais m'acheter un flingue. Ah, faut 200 balles pour un permis. Ok, vas-y, prends. Non, maintenant c'est l'esprit. Ah, j'ai envie de dire tant mieux. Ça évitera que certains, comme à l'époque Oscar, y aient le droit. C'est lui le nombre de fois qu'il nous a fait des oups, j'ai glissé sur la détente. Moi j'ai envie de dire, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Oh, moi j'ai encore le mien qui est valide. Il n'y a pas de raison que je le perde. Normalement, j'ai même encore mon catégorie 3 qui est valide. Enfin, soit non, parce que du coup, si tu vois l'esprit, ils vont te demander de la refaire. Oui, ça oui, mais si je vais à la MST, il va me refaire la formation en mode ouais, c'est quoi les 5 points où il faut faire gaffe. Moi, par contre, j'ai la 4-3 de l'esprit. Ouais. Moi, j'ai toutes les formations de l'esprit. Et ils vont dégager. De mal propre alors que j'étais un excellent cadet. Ouais, mais t'es pas un homme de confiance, tu comprends. Bah, je suis un grand criminel, hein. J'ai fait péter le bar. Attention, c'est tu tapais dans les saisies, tu revendais des armes. Ouais, bah oui, je prenais des dossiers, je revendais les dossiers. Attention, tu débranchais la machine à café, les dossiers que je n'ai pas accès. Hein. Le LSPD. Quoi? J'ai dit le LSPD, bref. Ouais, c'est ça, quoi. Tu veux toujours y aller? Tu veux toujours y aller? Oh, on verra d'ici 2-3 mois. Ah, toi qui as forcé vie, franchement. Hi there. Putain, elles sont résistantes, les fourmis, maintenant. C'est vrai ou t'as quand... Quand tu marches, t'as l'air vénère. Ah ouais, non, mais c'est le pantalon, il est trop serré, vivement que les élections soient finies, là. On partage. Alors, si tu veux, je peux la quelqu'un. Ouais, non, ça va aller. Connard. Ouais, bah j'allais dire déjà à l'époque, c'est dès qu'on faisait une allusion un peu à la con, c'était ah bah y'a Connor qui cherche. Il m'a dit, c'est marié. Ouais, il est marié. Bah, il m'a dit justement à un gars du LSPI. Oui. Le lieutenant Rash. Ouais, je vois pas qui c'est. Victor Rash.
mais attends, connard, il est proc. Ils ont le droit du fait qu'il soit proc et l'autre lieutenant. Et pourquoi ils n'auraient pas le droit? Justement, il n'y a pas les conflits d'intérêts, machin. En mode, ouais, mais c'est votre mari qui vous a demandé le machin. Ils s'en foutent. On a le sympa, ça. On a des steaks, donc ça. Ouais, putain. J'espère qu'il n'y a pas un docteur, parce que du coup, article 13, hein, Rob, attention. Ou article 7, je sais plus. Oh putain, il s'est enfin barré le ressort Stamour. Ah non, j'attends, je suis l'article 13. Oh non, l'article 13, c'est comme moi, on peut pas divulguer des informations sur le SPD, le gouvernement, on n'a pas. On va pas rester, quoi. Eh, bonjour, messieurs. Eh, bonjour. Et bonjour. C'est pour une vente de véhicules, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bah, suivez-moi. Alors, qui est l'acheteur et qui est le vendeur? Je suis l'acheteur. Et je suis le vendeur. Ok, il va falloir chacun votre carte d'identité, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop, ok, et votre la carte du vendeur. Et voilà. Elle ressemble à ça. Vous pouvez me la redonner s'il vous plaît, j'ai eu un petit souci avec. Ouais, pas de souci. Hey. Ok, merci monsieur Wilson. D'accord, du coup, où est le véhicule? Est-ce qu'il est dans un garage privé à côté. Ok, et monsieur Wilson, vous avez une place de parking disponible? Ouais, c'est tout bon. Ok, il va me falloir alors la plaque d'immatriculation du véhicule. Alors c'est celle que j'ai dans mes dossiers ou c'est celle de clé? Pardon? C'est quelle plaque que vous avez besoin de clé? Parce que genre, c'est pas la même, la plaque de mon portefeuille, c'est pas la même. C'est la plaque qui est sur le véhicule et qui est normalement aussi déclarée à votre assurance. Alors normalement c'est 85 CAT 748. 85 CAT, comment à la fin? CAT 748. Ok. Modèle Sultan. Ok. Sultan, Jacques Meunier. Ok, et c'est du coup, vous me donner votre nom et prénom, s'il vous plaît. Alexandre Wilson. Alexandre Wilson. Attendez 2 minutes, j'arrive. Oui, docteur, si vous voulez me suivre, du coup. Oui. How's it going? Ah bah, c'est du coup, les clés, c'est pas les mêmes que sur le panel. Ouais, bah oui, bah... C'est, il demande la plaque, donc il faut donner la plaque qui sera la dernière. Ouais, les plaques, elles changent tout le temps, en ce moment, c'est chelou. Normalement, la coquette, c'est fun. La plaque, et là, c'est 26MLW057. Et la FM, la Sultan c'est 4. Et là c'est EJI 699. Ouais, de toute façon, celle qui compte c'est celle qui a sur la carte grise, j'ai envie de dire. Ouais. Putain, je cligne fort des yeux. Excusez-moi. Du coup, dernière étape, monsieur Wilson, est-ce que vous m'assurez à acheter ce véhicule sans contrainte ni quoi que ce soit? Ah, je vous l'assure. Et monsieur Meunier, est-ce que vous m'assurez le vendre sans contrainte? Ok.
Eh ben, monsieur Alexandre Wilson, la sultan vous appartient désormais. Eh, parfait. Juste vous demander de vérifier ça de votre côté sur le site de votre assureur. Ouais, je suis en train de regarder. Allez, charge. C'est bon, elle est bien déclarée. Eh ben, c'est nickel. Passez une belle après-midi, messieurs. Merci, vous. À vous aussi. Du coup, elle est dans le même garage ou elle s'est retrouvée à l'aéroport? Ouais, dans le même garage. Bah, on pourrait chercher ça, puis on va passer à la banque. Bah nickel ça. Ah voilà. Bon, quoi, c'est sur la place. Hein. Ouais. Acheter une électrique pour pas avoir trop de frais d'essence, bah c'est foutu, j'ai plus de place. Pas, ouais, tu vendras ta moto. Ouais. Qui t'a coûté 13 000. Ouais, la Vader, c'est bon. 13 000, oh merde. Ouais, c'est bon. Oh, ça fait mal. Oui, franchement, ouais. Ça fait mal. Du coup, on a dit quoi, 400 dollars? 4 000. Et du coup, je vais aller voir pour la moto. Tu m'étonnes. Et voilà. Et merci. Oui, allô. Putain, on dirait un pingouin quand tu dis comme ça, on dirait un pingouin. Allô. Et dans les tout bons, les tout bons. Numéro de merde. Encore bizarre. Ah. Ouais, désolé. Ouais, franchement, ça fait moi, ça me dirait vraiment un pingouin quand tu marches comme ça. Ouais, meuf. C'est drôle. Bah, du coup, qu'on cesse, vu que tu veux voir pour la moto. Yes. Du coup, bah dans oh putain, on a vraiment un beau petit garage, hein, parce que du coup, on a une moto de rallye, on a une moto de course, on a une sultan, une petite voiture de ville, on a une sport, on a une supercar, on a plein de trucs. Et du coup, bientôt la villa. Bah, là, oui. Il n'y a rien eu, justement, je me suis arrêté à temps. Ouais, je suis bien garé. Ah putain, ma tablette elle s'est éteinte. Je charge pas assez vite. Non. Bon, bah, je vais la mettre en charge. Tant pis, je pourrais pas mettre les scènes de pause ou quoi que ce soit. Je peux ni couper le micro sur. Je peux plus rien faire, c'est la merde.
Hop, on va mettre en charge un grand coup. Vivement que je m'achète un stream deck. Recarpi. Bon bah, t'as raté que je viens d'acheter une voiture. Et merci pour le follow, Ellie. Ah, Nelay. Sur le coup, j'ai cru que c'était un H. Bah, merci, installe-toi. Hein. Qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ça? Je suis trop gentil. Il s'est perdu. C'est tout bon? Bon, t'es pas dispo, mais j'ai acheté autre chose. J'attendais mon collègue qui s'achetait une moto. Là, va. Du coup, bah go garage public de l'aéroport. Ouais. Ah, du coup, maintenant fais gaffe, tu prends un radar, c'est pas ton nom. Hein. Oui, bah. J'ai acheté une petite voiture que je vais mettre en mode jacket tout le monde, ça va être marrant. Bon, ouais, je voulais prendre la Isis, mais il y en a une autre que je vais prendre. C'est là, puis à gauche. Tu vas vers la maïs blanc. Gauche. À gauche? Ouais. Ah oui, par un petit parking de la maze. Yes, à droite. Tout droit. Là, je me rappelle qu'après Zirage, il y a un radar. Bah, il y a plus. Elle y est plus, celui-là? Non. C'est pourtant, il se faisait du fric avec celui-là. Hein. Ouais. C'est dès que quelqu'un venait du garage public, ça flashait. Pour un Wolf, tu vas aller speeder. Pour un Wolf, tu vas aller speeder, vraiment. Ouais, si j'y vais un jour. Un jour. Bon, qu'est-ce qu'il s'est acheté? Oh putain, ça rappelle les souvenirs, c'est l'ancienne Aliam ça. Ah bon? C'était la toute première Aliam si je me souviens bien. Bon, qu'est-ce que tu peux tout faire sur ce machin? Déjà, on va mettre les néons. Déjà. Alors, capote. Très moche. Oh! T'es sérieux, tu peux l'enlever? On dirait des amis. Et toi? En vrai, cette bagnole, je suis sûr, custom à fond, elle doit envoyer. Bah oui. Oh putain, la plaque en plus c'est 00VFN.
Oh merde. Franchement, celui-là. En vrai, il y a celui qui est pas mal. Mais ouais, celui-là, il est bien moche. Ça t'amuse. Mais du coup, je suis ruiné. Hein. Il me reste 200 sur le compte et 29 en poche. Ah, je peux pas changer le pot d'échappement. Sérieux? Arrête. Je commence à fortement cligner des yeux là. Là j'ai vraiment acheté cette merde. Ouais, ouais, tu l'as acheté. Je suis vraiment handicapé. Hein. Putain. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi tu m'en as pas empêché? J'ai pas eu le temps, tu l'as acheté avant que je rentre à la concesse. Oh merde. J'ai vraiment fait de la merde. On fait quoi du coup? Je sais pas. On va chez Bénice voir s'il y a un patron ou des RH. Ouais, vas-y. Te dire que je suis en négatif et que j'ai perdu un point. J'ai pris que 35$. J'ai pris 400, je suis passé à 191. T'as combien? Bah j'ai perdu un point et là je suis à moins 130 balles. Bah là j'ai pris 35$ et un point pour 155 km/h. Moi j'étais à plus de 70. Hein. Enfin j'étais à plus de 130. J'étais à 155.
Oups. Non mais t'es sérieux. J'ai voulu éviter le chien et... Ouais bah t'as pris le mur là pour enfin. Ouais bah oui. J'étais trop concentré sur le chien. J'ai même pas de quoi le payer. Le chien? Non l'arrête pas, le chien je m'en fous. Putain pourquoi j'ai acheté cette merde? Je suis à moins 235 sur le compte. Et j'ai 30$ en poche. Putain, j'ai vraiment acheté cette croquette. Putain, mais j'ai vraiment jeté de l'argent par la fenêtre. Bon, je t'aurais bien proposé d'aller chasser. Mais... c'est pas ouf. Ça va rien nous rapporter. À l'époque, j'avais une canne à pêche aussi, mais je sais pas où elle est passée. À la MST. Ouais, possible. Bon, on en a deux à la part. Au pire, on va pêcher. Bon, je devrais pas te dire, j'ai un peu de la flemme de pêcher. Hein. Ouais, bah. Sinon, on va se faire une tournée de joaillier comme à l'époque avant la MST. Oh merde! Si, t'as la diarrhée? Des débiles qui s'amusent. Un bonhomme. Putain, je me rappelle à l'époque, ils étaient en train de poser l'héliport en haut. J'étais monté sur la grue, j'étais sauté en parachute. Ah ouais, je me souviens. Bah oui. Si, je pense que t'as vu. Par contre, c'est moi ou elle est plaquée à l'SPD, mais... c'est ce... ouais, c'est cool. Eh, bonjour. Bonjour. Eh, bonjour. Est-ce que vous avez appelé un dépanneur? Non, je crois qu'ils sont plus là. Comment? Je crois qu'ils sont plus là. Ah mince, non, c'est dommage ça. C'est vrai qu'on s'est pointé au dépôt, mais on a appelé personne, nous. Sac à merde qu'on est. On va go home to home. Bah hop. Ah, bonne journée. C'était bien. Ouais, bonne journée à vous. Nickel le mal de crâne. Bon moment. Dégage, message d'erreur, que je puisse retourner en jeu. Putain de message d'erreur qui met 5 ans à se barrer. Allez, fin de tâche, casse-toi. Merde. Access granted. Ah putain, merde, du coup, vous avez plus la capture de jeu et ma tablette elle est éteinte. Comment je...
Non, ça va. J'ai cru que ça allait être la merde. Attention les oreilles, ça va péter les oreilles. C'est bien gentil. Allez, détecte la radio là. J'ai eu mal au crâne. T'es où? Au dépanneur, j'arrive. Ah, avec la voiture. Oh, ça fait chaud. Putain, ma bagnole, c'est une épave. Je sais pas pourquoi je me tape des coups de lac comme ça, là, c'est chiant. Je sais plus si ça passe tout droit en voiture. Pas de raison. Ça passe, allez. Allez, on s'envole. Non, je déconne. Non. Faut que je baisse les graphismes. J'ai les FPS, ils font mec, je me casse. Tu fais bien d'arranger, hein. Oui. Je vais tout de suite changer le nom sur l'étiquette. Je suis là. Ah, tu sais quoi, je vais essayer de me changer, j'en ai marre du costard. Bah non, ça c'est celle que j'ai, ça c'est peut-être un peu trop léger. Putain, j'ai un de ces cocards.
en dire, je me suis fait tabasser à mort. À fond. Bon, du coup, on fait quoi? On va chasser. Ok. Bah, je prends l'omnis et je te suis. Yes. Pour rendre chasser avec cette bagnole, je sais pas si ça va donner déjà. Ah, Liam, il le faisait à l'époque, ça passait bien. En vrai, je vais pas te mentir, quand je l'ai acheté, j'ai prié pour pas que ça passe. Bah, c'est passé. Zone de chasse, c'est toujours au même endroit qu'à l'époque. Ouais, bah oui. Il faut pas un permis ou un truc comme ça? Si on se fait contrôler, si. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai des gros coups de lag. Fais gaffe, il y avait des SQ. Ouais, mais là j'ai des gros clins d'œil, là c'est assez chiant. Tu fais les villes un peu plus? Non, je le ferai après. Faire le vide dans la tête, c'est vider le cache 5M. Mais vu que je sais plus vraiment comment on fait, je ferai ça plus tard. Oh putain, mais tu pouvais pas mettre ta ceinture? Bon bah j'appelle les médecins. Hein. J'ai appelé. Putain, mais pourquoi ça me rappelle des souvenirs, ça, aller à la chasse? C'est bon, ils ont pris l'appel, ils arrivent. Bah, j'allais bouger ta voiture au milieu. Comment t'as fait? T'es passé par le pare-brise, mais le pare-brise il a rien. T'es un magicien. Putain, mais comme il a volé! Il doit être mort de rire, ce con. Ils vont croire qu'il a eu un accident avec moi, vu l'état de mon perso. Ah, tiens le coup. Il y a quelqu'un en radio? Ça, ça va être la merde pour amener ta bagnole, parce que vu comme t'as volé là, tu repars pas au volant.
C'est vrai qu'il y a la bande au milieu, on sait pas où les tuer. Ah, ils arrivent, je les vois. Et bonjour. Ouais, ça... Vas-y, écartez-vous. Ouais, il a tapé dans je sais pas quoi, j'ai vu voler de sa bagnole. Et restez avec moi, monsieur. Allez. Et relevez-vous doucement. Oh. Vous m'entendez? Oh, oh, ouais. Oh. Allez, comme il a volé. Ok. Wow. On va essayer de se mettre de l'autre côté pour éviter de se faire percuter. Ouais. Ouais. Voilà, c'est moi non plus, je l'avais pas mis. Négatif. Pareil, c'est vrai. Je vais voir après le diagnostic. D'accord. Alex, c'est passé quoi? Je sais pas, je te suivais et. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, ça, je pense te taper une bagnole clin d'œil et je t'ai vu voler de ta bagnole. Je devais faire 2-3 saltos en l'air, oh putain! Ah, la voiture! Vas-y! Il a eu beaucoup de bol! Oh! Parce que je t'ai vu faire 2-3 pirouettes en l'air! Ah, la merde, la voiture! Ouais, surtout qu'elle avait rien après l'accident, quoi! Mais ouais! T'as passé le pare-brise sans le péter! Mais je sais pas ce qui s'est passé! Attends, bah j'ai déplacé ta caisse sur le côté! La voiture! C'est chou! Ah, c'est une conquête. Ah ben, oh. Ouais, bah, c'est encore plus. C'est encore plus abîmé. Ça va aller du coup? Ouais, ça devrait aller. Oh, oh là, il est plus cher. Oh, il est plus cher. Ouais, ça devrait aller. Du coup, Wazy Basis, merci pour le follow. Désolé, j'étais dans l'action ouais. Et je t'ai entendu. C'est lequel votre véhicule du coup? Le blanc, là, celui qui a volé. Ok. Ah, tu vois bien, Dis? Bonjour, Mathieu. Ah, et par contre, j'ai un peu mal. Ah, ouais, je pense que ça m'a un peu blessé les gens. On va s'écarter, sinon on va se parler. Bon, j'y vais pas bon, il y a des avertis. Hein. Enfin, non, mais quoi. Je m'attendais pas à ce qu'elle fonce en plein milieu de l'autoroute, quoi. C'est une voiture, quoi. Voilà. Merci. Très bien, merci. Et vous, monsieur, tu peux pas? J'ai des cigarettes. D'accord. Votre. Merci. J'ai plutôt bien amorti. Ouais, c'est cool. Ouais. L'idée. Ça va bien, monsieur Meunier? Ouais, très bien, c'est tout à l'heure. C'est chez les dépanneurs. Ah merci, j'ai réalisé. T'as le même que le thème. Ouais merci. Yes, ça marche, tu peux y aller. Bon. Est-ce qu'on peut avoir votre carte d'identité pour qu'on vous contacte éventuellement Oui. Au cas où. Quand vous allez bien, la bien sûr aussi. Tenez. Ah vous l'avez déjà donné? Oui, bon. Ok. Et c'est pour quoi en fait? C'est juste en cas de contact pour savoir si on a besoin de vous recontacter pour l'accident, comment il s'est produit, tout ça.
Bah, jamais. C'est, je pense qu'il a tapé une voiture clin d'œil parce que sans raison d'un seul coup je l'ai vu voler de son véhicule. Ah, une voiture qui a surgi nulle part. Ouais, parce que c'était particulier. Qu'est-ce que ça fait ton bêtise? Hein? T'as été assigné à la circulation, qu'est-ce que ça fait? Bah, on a mis les codes de circulation parce que t'as vu les gens comment ils conduisent mal sur la route là. T'as pas compris. Non. T'as été assigné à la circulation. Ah non! Non, non, mais ça c'est ce qu'on fait toujours quand il y a des accidents. On fait toujours ça. D'accord. Okay. J'aurais fait ça. Là, ouais, dans les faits, du coup, vous allez bien? De votre côté? Et votre voiture? Bah, vous avez appelé Bénice ou pas? Bah, pas besoin. Ouais, sa voiture, étonnamment, elle a rien. Il est passé par le pare-brise, mais il y a toujours pas. Vous avez besoin qu'on les emmène au Bénice ou vous allez les amener? Non, vous passez où elle est d'abord? Non, c'était bien, on a pas eu ça. Ouais, bon, la voiture, elle a rien eu, moi. Est-ce qu'ils ont besoin de passer au LSMS urgence d'abord pour des contrôles? Non, c'est bon, ils repasseront si ça va pas, mais ça a l'air d'aller. Je vais devoir y aller, moi. Bon. Bah, en tout cas, merci. Attention à vous, du coup, avec la route. Ouais. Ouais, pas de soucis. Attention en traversant. Attention, attention. Eh, salut, monsieur Porot. Dans comment ces cas-là, il faut mettre les voitures sur le côté, pas sur le milieu, quoi. Ouais, bah, je me suis arrêté pour protéger son corps, surtout, parce qu'il était en plein milieu. Ouais, bon. Vous allez repartir au milieu, on va enlever la sécurité. Ouais. Faites attention. Du coup, on fait quoi ? On retourne à l'appart ou ? Bah non, ça va, tu te sens d'y aller quand même ? Bah oui. Je suis un professionnel. J'attache pas ça dur. Il est mignon le petit Shepard. Bon, vu qu'il y a les flics, je vais respecter le 110. De quoi? C'était qui? J'ai dit vu qu'il y a les flics, je... Oh putain, mais c'est pas possible! Ma bagnole elle est là-bas, mais moi je suis là, madame. Mais c'est une blague. Mais c'est pas possible. Vas-y, attends, alors hop, bazar, hop, on va faire celui-là le beeper, parce que je veux pas te mentir que j'ai un peu la flemme de faire un appel. Voilà, hop, j'arrive. Ah putain. Bah ça va, moi ça va, ça va. Mon perso un peu moins, mais moi ça va. Ça va me faire rouler sur le crâne, ça va pas faire du bien. Non mais franchement, honnêtement, non. Ils ont toujours pas pris l'appel, je vais taper une ITX. Si loin, c'est rien, mais bon, on va appuyer sur la tronche. Ah non, c'est rien. Par contre, sans foirer, il sert même à bagnole comme bouclier. Incroyable. Ah bah si, ils ont pris l'appel, j'ai même pas vu. Oh putain. Ah
te dérange pas. Exposez-vous. Elle a pas peur. Il est là, devant moi. Là. Ah, je le vois pas. Quoi, ah, Sarah? Tu le vois pas? Ouais, moi je le vois. Non. Reste avec moi. Là, je vous ai envoyé la position pour le dernier accident. Allez-y, relevez-vous doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la gorge bien sèche. Non, c'est Wall Speed. Ok, on va se mettre sur le côté. Ouais, je suis. Dites-moi, vous avez mal où? Pas vraiment mal, mais surtout soif. Ah! C'est... Y'a quelque chose à voir sur vous? Ouais, bah non. D'accord. Alex, rappelez une fois sur ta radio. Test. Ah là, c'est là. Ah merci. C'est buvé ça. Merci. Bah en plus, t'es rentré à la maison boire en plus. T'es sérieux? Ah bah j'avais oublié de prendre du coup. Puis avec ton accident, bah... Préoccupé pour toi et du coup, bah j'ai zappé. Ça va aller? Ouais, ça va aller. J'ai respiré 30 secondes et ça devrait le faire. Faites attention et mettez vos ceintures, buvez, mangez et tout ça quoi. Ah bah la ceinture je l'avais hein. Bon, on va bouger avant qu'il y ait un sur accident du coup. Bonne soirée messieurs, puis faites attention. Merci. Merci à vous. N'hésitez pas à passer à l'hôtel, ça va pas. Yes. Bon bah du coup on va le bénir parce qu'il y a le directeur quoi. Ah bah ouais, bah, je te suis. Ah c'est bon, fin d'intervention. Possible ça. Bah du coup là on va même pas être chassé qu'on aura détruit nos corps et nos voitures. Oh bon la bagnole était déjà dans un sale état. Je cligne méchamment des yeux en ville, je vais aller doucement. C'est le GTA et Direct 5M, je dois avoir tout en mode extrême. ouais, on va chez Benny, mais c'est la tête aussi. C'est là. Ouais, on va dire c'est là. GPS, ce qui m'emmerde. Putain, c'est où le nouveau Bénise? Faut que je me refasse à la ville encore. On va pouvoir avoir. T'inquiète, c'est normal si je suis en retard, je me suis gouré de sortie. Ça faut vraiment que je me réhabitue à Los Santos. Je suis perdu partout. Je suis même plus à le dépanneur. C'est quoi ce bordel?
Mais sérieux, lui? À fond. C'est ça. Comme la blanche, c'est ça, je veux. En fait, c'est deux jouets qu'il y a là. Ouais, c'est ça. C'est deux jouets. Si ça vous dérange pas, je vais te faire la réparation du caméra CDC. Oui, j'arrive pour parler de ça. Ouais, je vais juste aller voir pour mes problèmes de clin d'œil, j'arrive. Oh, yes. Paramètres. Graphisme avancé. Déjà ça on s'en fout. Oui. Déjà ça on s'en fout, ça sert à rien. Ouais. On va se calmer. Hein. On va tout baisser d'un. Ok. Oui. Eh merde. Bon bah je vais vite relancer 5M du coup. Oh putain, j'ai pas sauvegardé la position. Oh, ça va piquer. Tout le cas, j'en le sais, game. Ouais, bah, je ferai ça une autre fois. Hop. Hop, je relance. J'espère que je repop au dépanneur. Ouais, c'est bon. J'ai changé de lentille, ça devrait aller mieux. T'as pas chassé? Oh, mais c'était un souci de lentille. Ok, ok. Bah, du coup, ouais, c'est... ça a l'air d'aller mieux. Bah, ouais, ça a l'air, mais. Tu vois plus clair? Bon, j'espère que ça va aller mieux maintenant que j'ai baissé. Sinon, bah, si vraiment, je baisserai le cache. Après, le fait que là, maintenant, je stream en 1080p. Et... c'est peut-être ça qui joue aussi. PC, il aime peut-être pas trop. Parce que là, jouer à OBS, il prend 30% du CPU. Après, j'ai pas eu trop de drops.
1200 images sur un live de 3 heures. Ouais. Ça va. Ça va, ça va. Bon. Du coup, fini la réparation, puis je vais faire la formation peut-être. Alors, du coup. C'est ici pour les entretiens d'embauche ? C'est ici pour avoir des renseignements, oui. Du coup. Quelles sont de vos disponibilités déjà ? Au niveau horaire. Fin d'après-midi et toute la soirée jusqu'à 2h. Ok. Ouais, bah ici, généralement en semaine, ce sera de 18 à minuit. Sur des week-ends, tout à fait. Ok, ok. Bon, sans vous mentir, j'ai beaucoup de candidatures dans ces plages horaires-là. Mm-hmm. Et il me faut encore une personne pour la soirée et une personne pour l'après-midi. Donc, on va pouvoir vous recruter tous les deux. Si jamais je recrute un de vous. Et du coup, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer juste un CV vite fait, très simple. Pas besoin de se casser la tête ou quoi sur mon mail. Pas de soucis, moi j'en ai déjà un de prêt. Ok. On va l'envoyer sur paul.potachon@discord.gg. Ok. On va envoyer ça et puis et j'y regarde dans la semaine et puis voilà. Ok, bah je vais envoyer ça. Discord. Putain, mon dossier RP avec le CV, il est où ? Merci pour le follow, Cam Du. Enfin, Cam. RP. CV Alexandre Wilson, je crois que c'est ça. Hop, j'ai mis MST, ouais. Je vais me rendre en tant que PDF. Puis je vais lui envoyer. Hop. RP. Voilà. Du coup, Feli, Paul Potachon. Paul Potachon. Où qu'il est. Je le vois pas. Il est où ? Ah, entrepreneur. Ah. Envoyer un message. Ok, c'est bon. Voilà, normalement moi aussi il a envoyé. Ok, nickel, merci. Bah du coup, là je vais pas vous faire la cuisine de réception puisque vous êtes en face de moi. Mm-hmm. Donc j'y regarde et je vous recontacte si jamais je veux vous revoir pour un entretien. Ok. Ça marche. Donc voilà, merci bien. Bah du coup, moi il y aurait... j'ai même pas de quoi la payer la réparation, donc on va oublier. Ouais, ok. Je viens de me rappeler que je suis pauvre. Bon, merci beaucoup. Pas de soucis. Bonne fin d'après-midi. Bonne soirée à vous, au revoir. Ah tiens, maintenant ton pare-brise il est cassé. Bah yes, super. Putain, une accélération de fou, c'est pas bon. On fait quoi du coup? On va chasser. Ok. Non, enfin, je sais pas, ouais, si tu veux. Moi, j'en sais rien. Ouais, on peut aller chasser une petite heure, puis après, moi, je vais un peu aller me poser histoire de manger tranquille, et puis je reviendrai après.
ta ceinture. Hein. Bien sûr. Ouais, je pense que je viderai quand même le cash. Qu'est-ce que tu foutais dans le mur là-bas? Elle est tellement petite et légère. Putain, c'est abusé. Tu joues tu pars en couille à moi dans le boss. Vas-y, vas-y. Il y a l'arrêt qui font la course. T'as bien mangé, t'as bien bu? Bien sûr. C'est bon en fait, il y a plus que ça, là. Ça va, pas du tout. Ah d'accord, je pensais que t'étais juste que t'avais trop. Il y a pas un pet de custom dessus, il y a que de l'esthétique. Alors le radar? Ah bah j'ai pas eu de radar. Hein. Ah bon? Le flash en caleçon, ça marche chez vous. Après moi il bloque à 170. Oui mais c'est 110. Bon. Et ici ça flash vers le. Vers le nord. Attends, je sais plus. Là, sur le coup j'ai cru que c'était le speedy bon. Ouais, c'est une voiture que j'aimerais bien full, c'est la Oracle. C'est une Oracle full custom, mon gars. Oh là là. Un bataille. Ah, mais c'est chaud quand même, j'ai même pas de quoi payer la réparation d'une de mes bagnoles. La chasse à internet bonne. Avec la chasse, on pourra au maximum te faire 100 ou 200 dollars. À ce point? Ouais, ouais, ouais. Ah, là, par contre, ça flash. Bon, oh, bah, je suis encore plus pauvre, hein, encore 75 en moins. Ok, la Omnis est montée à 180, c'est la première fois. On n'a rien vu. Ça va encore mal finir cette histoire. Garder ouvert, ça peut être mieux. Oui. Je sais plus, il y a un truc particulier à faire pour démarrer. Non,
De 1. De quoi? Et de 1. Ah bah moi je suis en train d'y aller là, et bien sûr il est bien loin. On va mettre le limiteur à 90, hein. On va pas se tuer. Moi je mets le limiteur à 90, je pourrais me tuer. Ok. Et où le bestiole? Ça y est, t'es déjà mort. Hein? Nara. Résistant le bestiau. Allez, enfin 2-1. À quel point il décollait pour rien. C'est là que le Sand King il irait nickel. Tu vas te tuer. Je suis un professionnel. Oh, la moindre boss, mon gars, elle s'envole. Mais la Omni, c'est pareil, j'avais oublié, mais elle s'envole pour rien aussi. Oh, ça tient pas la route, ce truc. Je
pub, c'est que je m'amusais à prendre le raccourci, mais... Oh, ça devait être là. Bon, une cible là, s'il vous plaît. Peut-être que je sorte de la bagnole. Faire gaffe, parce que si je me souviens bien, il y a un régime. Hugo, tu sais où aller si il me prennent moi ou Benny? Pas sur moi, pas. Moi non plus. Bon, après, on chopera un des employés, on nous mettra dans un trou et puis il nous prendra tous les deux. Dehors, apparemment ça marche mieux pour avoir une cible. Faut que j'arrête d'appuyer sur elle. Nique le pare-brise. Hop. On va déjà mettre ça dans le coffre. Putain, j'ai 50 kilos là-dedans. C'est vrai que c'est pas un coffre physique sur celle-là. Elle t'éclate. Nique la police. J'ai vraiment fait chier la bagnole. Oh la vache.
Bon, sinon, comment va vous? Ça, c'est le genre de moment où j'ai envie de fumer des clopes, de les enchaîner, mais faut pas, c'est mal. Régis. Ça va? Easy. Y'a pas un pick up avant ici? Bah, tu m'as pas vu avant quand je suis arrivé, je l'ai un peu bug, il est en bas. Oui. Il est venu le récupérer. Je suis là, hein. Mais vas-y. Ils l'ont mangé, quoi. Bah, ils l'ont déjà récupéré. Il y avait pas un gros chat par ici avant? Ils l'ont mangé. Non, il est là-bas. Ah, il me semblait qu'il y en avait un de chaque côté. Non, 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 non. Chassé au pare-choc. Pas le temps pour ces conneries. Merde, je crois que je suis loin. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Thank you.
Un capot 1. Et merde. Cette conduite est totalement RP. Wouhou! Putain, mais comme elle s'envole pour rien, cette bagnole. C'est magique. Tout va bien? Je suis la professionnelle. Ok, ok. Tu t'étonneras pas si tu croises un capot de couleur bleue avec un sticker. Wesh. Pas assez de portée. Non, je dois pas avoir assez de portée. Et là, il y a un Régis qui arrive. Merci. Ah bah enfin. Putain, mais à chaque fois faut que je retourne là-bas, j'en ai marre. Oh putain. Ah, vous avez perdu une portière. Je pensais que ça passait. Je pense pas que ça passera. Ma portière. Voiture en kit. Et... Bonjour monsieur. Wesh. Oh, il est sérieux le bestiau là. Putain. Ils ont des pare-balles les cerfs ou quoi? Un coup de pare-choc plus 5 balles pour le buter. T'es trop doux. C'est dangereux.
Il va arriver de je sais pas d'où encore, il va me la mettre. Ceinture, hein. C'est mieux. Et merci pour le follow, Gabs. Bienvenue, installe-toi. N'est pas Mavnis. Ça passe. Ça va mal finir. Très mal finir. Très mal finir. Ça a bien fini. Eh, même pas perdu de portière. Quoi? Oh putain. Allez. Ban. Voilà. Putain, botte de merde. Oh, t'arrêtes la voiture? Bonsoir, à la prochaine. Fous pas de ma gueule là. Non. Ah non, ça va, c'est pas ici qu'il y a la faute. C'est ici, vous faites rien.
Désolé. Bien de ton côté? Yes. Bon bah je vais m'en refumer une. J'ai que ça à faire de toute façon. Putain, elle est loin. Ok. N'oublie pas de boire et manger. Qu'il est mort. Non. Ah le bâtard. C'est comme ça qu'on retourne sur la route. Ah le bâtard. C'est pas moi. J'ai pas encore vu de Régis, c'est bizarre. Ils ont désactivé.
perso, je fais encore 2 ou 3 cibles max et je retourne en ville. Parce que j'ai plus rien à boire sur moi, je viens de voir ma dernière boisson. Ah, attends, je vais sur moi. Bah, je suis sur le petit parking là. Là où on se retrouve tout le temps. Alors, tu le fonces dessus à 120, il a rien. Tu le baignes à 30, il meurt. Il va comprendre. Putain, il met vraiment longtemps à finir l'animation. Hey, salut One Z. Comment on va? Ouais, c'est un serveur RP, mais quand on chasse, on n'a pas une formule très RP. Enfin, moi en tout cas. Et je sais que je suis pas le seul. Faut bien qu'on s'amuse de temps en temps. J'ai pu avoir des sens, j'ai même pas de quoi me payer un plein. Chaud. Hey, yo salon de jardin. Ça c'est du pseudo. C'est la gueule. Genre ça, c'est pas RP. Je pensais que ça passait. Ça va, j'ai la ceinture. Ça excuse tout, la ceinture. Si tu sais danser, je peux te proposer un groupe intéressant. Ah ouais, non, je sais pas danser. Je suis pas un danseur, moi. J'y suis là, tu. De quoi? J'y suis là, tu. Si tu le dis, j'ai rien compris. T'es où? Je suis en train de choper une cible et j'arrive. De toute façon, dans tous les cas, il va falloir que je bouge, j'ai plus que 2 barres d'essence. Et j'ai pas de quoi me payer un plat. Ah bah, moins 450 sur le compte et même pas 100$ sur moi.
ça fait mal. Elle est où la bichette? Elle est là. Bichette! Oh putain, ça la trigger ou pas? Non. Sérieux, une balle dans le cou ça tue pas. Chier. Mais. Meurs, saloperie! Merci! Je croyais des Régis dans le coin, mais avec tout ce que je viens de tirer, Régis il a dû se barrer. C'est autorisé de faire ça sur Faily pour la chasse j'ai envie de dire tant que ça entrave pas le RP des autres et c'est pas non plus de la triche. C'est mon véhicule, hein, c'est moi qui paye les réparations. Hein. Si je veux conduire comme un abruti. Là j'arrive. La ceinture, oui. Oh, c'est pas du power gaming, c'est un moment où on peut se relâcher. Après, c'est la chasse, c'est un truc où tout le monde, quand ils reviennent de la chasse, les bagnoles elles sont ruinées. J'en connais pas un qui sont revenus de la chasse avec des véhicules entiers. J'ai été déjà pas maman de venir. Je vais te dire. Le caillou. Après j'ai une voiture de rallye, hein, ça fait court, hein, j'ai envie de dire. J'ai cru voir des phares passer là-bas au loin qui ont fait wouh. Parce que je joue pas de douleur RP, mon perso il a pas pris de dégâts. Hein. J'ai encore toute la barre de vie donc il n'y a pas de raison que. Certes mon perso il se blesserait sur ça. Ah non, bah, c'était pas lui que j'avais vu, c'était un bug. Fais gaffe, ça glisse. On va le faire flipper. Bah écoute, c'est dans le jardin. Si ça te plaît pas, pars. Eh, merci. Mais comme dit, niveau essence. Ah, j'avais encore de la bouffe. Merci. Oh, oui. Comment dire, il manque 2-3 bouts. Si je tape là, ça fait quoi? Essaye pas, je. Essaye pas. Ceci, faut appeler à des panneaux, je sais pas comment je fais. Ah, mais elle grelotte pas, hein. C'est ça le plus fou. Sérieux, t'as mis des néons roses? Mais je sais pas, non? La décompression de turbo elle est très plaisante. Hein? La décompression de turbo sur ta base sur la Omni, c'est destiné. Ah bah, une fois que j'aurai mis le turbo, elle va envoyer. Bah non, je parle du son. Ah oui, bah. Dis-toi que là, elle fait son sans turbo. Oh, fait la turbo de régime, quoi. Bon, du coup, j'ai pris ta caisse pour aller choper une cible. Promis, j'essaye de faire doucement, de pas de la mettre épave.
moi j'essaie pas là. Elle me doute. Bah non, putain, elle se fout tellement bien. Ouais, mais par contre, fais gaffe, hein. Des fois elle décolle pour rien. Et elle décolle très haut. Alors, c'est juste ça qui est nul. On sort de la. Ah bah ça, la brio. Qu'est-ce que t'as dit? Elle est une grenade. Ah ouais? Bah tant pis. Ça me coûtera 200 balles, je les ai pas. Bon, effectivement, défaite en mousse. Elle fait pas du tout mal au gars. Ah super, j'éclipse ça, j'avais besoin. Oui, bah. Éclatez-vous, les gars. Je sais pas pourquoi. C'est. Honnêtement, vous appelez ça du power gaming. Mais on est sur un serveur RP. Certes, notre conduite là, elle est pas super RP. Mais est-ce qu'on gêne le RP des autres? Quoi? J'ai pas trop aimé ce On va avoir un petit souci. Non, tu me l'as pas. T'es où? Il l'a pris 3 minutes. Alors moi ça fait une demi-heure que je la maltraite, toi en 3 minutes tu me l'achèves. Envoie-moi ta pause. Non, c'est faux. Putain. Ah, je retourne là où on était. Je suis un professionnel chez lui. Oui mais bon. Ok. T'as par contre la tienne dans les virages, elle tient pas, je pars sur tout le direct. Non, j'arrive. Ok. Un autre clip pour PNRP. Les gars. Par contre, l'omni c'est un gros kiff. Ah bah, à ton avis, pourquoi je voulais absolument récupérer? Je me fous à Paletto, je reviens dans d'ici une bonne heure. Ok, bah moi je fais une dernière cible et pareil, je pense que je vais bouger. Même pas, je retourne direct en ville moi. Bah, pas toutes. Ah, toutes. Que peigne RP. Là, sur ma barre de vie, les seuls dégâts que j'ai pris, c'est qu'avant, quand j'étais debout sur l'omni, c'est qu'il l'a tapé et que je suis tombé. Et là, je l'ai fait, j'ai fait la douleur. J'ai laissé mon gars au sol exprès. Donc, je vois pas où est le souci, franchement. C'est, vous allez voir sur d'autres streamers, il y en a, ils se battent à coups de batte, machin. Ils rigolent. Hein, j'allais dire, tant que ça gêne pas le RP général ou le RP des autres, moi, pour moi, il n'y a pas de souci. Genre en course poursuite avec les flics, un truc comme ça, je me permettrai pas de faire ça. J'ai un accident, l'accident, je le joue. Même si en soi, mon perso, il a rien ou quoi que ce soit. Tu fais 3 tonneaux, tu prends un rocher IRL, tu joues pas de paye non plus. Relis ta phrase IRL. Là, c'est un jeu vidéo. Certes, c'est du RP, mais c'est un jeu vidéo. Prenez le nom du serveur RP, oui, roleplay. C'est pas no fun, c'est roleplay. Bah après, comme j'ai dit, si mon RP vous plaît pas, je vous force pas à rester. GTA Online. Oui, j'ai plus de sous, faut pas que je vous fasse fâcher.
j'aurais peut-être dû mettre de l'essence ici. Ah ouais, mais tu vois. Ouais, non, en fait, non. J'ai pas de quoi. Putain, ils ont laissé les barrières avec Fit. Juste pour pleurer, il me coûte combien plein d'essence? $108. comment dire? Je les ai pas. Une ginette près de son service, il y a... Putain, il est où de nouveau? Putain, je me souviens même plus des noms des ginettes, là. En espérant que j'ai assez de trucs pour au moins faire plein. Comment dire que j'y crois moyen? C'est moi où il est arrivé plein de balles et il a ralenti au premier. Bizarre ce pays. En fait, tant que t'es pas un grand streamer reconnu, tu dois avoir un RP irréprochable. Qui a édité cette règle? Qui a dit ça? Que je lui rigole au nez. C'est gros streamer ou pas. C'est, j'ai envie de dire, je joue comme il m'entend. C'est... Ah oui, bah ça. Sérieux? J'en ai marre. Ça me fait chier, mais j'ai plus le choix là niveau portefeuille. Bon, moi j'ai pas perdu de points ce coup-ci, c'est déjà ça. Quand même la fermer. C'est là par exemple, RP parlant, j'ai fermé le véhicule, mais il n'y a plus de portière. Hein, ça... Bon, c'est pas pour moi. Ah merde, j'avais des trucs dans le coffre. Je vais les vendre avec. Oui. Est-ce qu'on peut les vendre à Ginette maintenant la viande? Parce que c'est toujours la merde ça. What is wrong with you? Salut Ginette, comment on va? Non, je ne veux pas braquer Ginette. Oh putain! Oh, les prix, ils ont vraiment baissé. Du coup, je suis riche comment? 147, ouais, je vais pouvoir faire le plein. Et encore...
pas sûr. Ouhou, j'ai pu faire le plein. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ah, il y a un PNJ bélier. On va quitter la zone, ça va le débugger. Oui, oui, je passe au rouge, mais j'ai le droit. On a le droit, on a le droit de passer au rouge à moins de 50 km/h. Sauf que l'Omnis, elle sait pas faire. C'est même en tapotant. Je suis à 55. Putain, j'ai donné des gros coups de lag. Ça fait chier. Hein. Elle est ruinée la bagnole. J'espère qu'il va m'embaucher chez Beniz. Moi, je paierai pas les réparations. Hop, sur ce, on va se laisser pour ouais, deux petites heures. Tant que j'aille manger, que je respire un coup, puis on se retrouve après. Allez, ciao. Ben je dis ça, mais faut que je fasse tout à la main, vu que ma tablette, elle est décédée. Ceci est un stream de professionnel. Alors, bon. Ouais, on peut couper TS. Voilà. Allez, bonne soirée les gens.